Mais Welcome non to Popcorn. Mais non, jure, c'est l'émission qui cause du moment. Merci beaucoup. Attends, depuis le début de la saison, il écrit chiant tout le monde blaze. Ouais. J'ai jamais vu, remarqué. Mais c'est pas manqué, mais par contre, en vrai de vrai. Je sais pas qui c'est qu'avait mis. C'est pas moi. Déjà, comment ça à tout le monde? Est-ce que je pense qu'on y va direct? Je pense qu'ils vont voir. Les gars, avis honnête sur le costume. Mets-toi debout. Mais comme ça, c'est fait. Moi, je trouve que c'est un classique, ce costume. Moi, je vous dis la vérité, c'est un classique. En fait, Grim, faut que tu comprennes un truc là. T'as vu qui on reçoit? Est-ce que t'as vu qui on reçoit? Hugo Posé. Ce mec là, l'autre justement, c'est le futur président de la fucking France, frère. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous donner les subventions. Délire. Non, l'autre encore. Tout seul. L'autre encore. Débite. Celui-là. Ok. Si t'as besoin de subventions, tu veux faire un long métrage, tu veux avoir des OP, c'est avec ce mec là qu'il faut être bien. Je te le dis, c'est lui le prochain. Non, moi je te le dis, moi il rend bien. Les gens aiment bien. Mais à la caméra, parce que. T'es pimp. Qu'est-ce que tu insinues? Non, parce que. En fait, vous voyez pas. Moi, il t'en dirait, c'est comme si. Il est beau, mais on dirait, il y a un peu des pins. Du coup, proche, c'est bizarre. Mais on dirait, t'as plein de pins. Je peux te poser une question. Rien à voir, désolé les gars, avant que l'émission commence. Est-ce que vous, cabinet, c'est pour dire les toilettes ou pas? Oui, tu peux dire cabinet. Quand tu dis je vais au cabinet. Ça existe ce mot? Oui, tu peux dire que tu vas au chiotte pour voilà, dire le cabinet. Hier, il y a quelqu'un qui m'a pris pour un fou en mode cabinet, c'est que c'est les médecins. C'est original. Ou médecin. J'ai pas fini avocat ou médecin. Bonjour à tous les amis. La fève, roi d'Écosse. Arrête. Va là-bas, t'as pas mes gosses, pas pardon. La fève. Salut pas la fève. Le chat, c'est Zen. J'espère que vous allez bien. Oui, original. Mais pourquoi original? Parce que j'ai. Alors, en gros, je sais pas si c'est que moi ou si c'est genre en Corse, mais cabinet, genre. Non, c'est non, en mode non, cabinet. Cabinet, j'ai beaucoup entendu, juste c'est pas le plus utilisé. Quoi? Enfin, tu dis toilette ou chiotte. Moi, je dis pas, de toute façon, j'y vais pas. Tu fais pas caca? Non. Les amis. Avant de recevoir Hugo Décortique, je tenais à remercier le partenaire de cette émission. Vous le savez, de toute façon, il n'y a même pas besoin de dire le blaze, ça se voit juste quand vous nous regardez. Basic Fit. Basic Fit nous accompagne depuis la rentrée. Il y a plus de 800 clubs en France maintenant, vous le savez, c'est le réseau idéal pour faire du sport, que vous soyez débutant ou plus confirmé comme Grim, comme moi. Entre autres. En s'entraînant chez Basic Fit, on se sent... À l'aise. À l'aise. Les clubs sont spacieux. Il y a différentes zones d'entraînement accessibles pour faire toutes sortes d'exercices. C'est réel. Voix, machine. C'est réel. Moi, je fais des dips, moi. C'est quoi des dips ouais, ou pas? Ouais, c'est le dips poulet. Dips traction, tu vois. C'est le poulet. Avec toutes sortes de machines, toutes neuves, flambant neuves. Dernier cri. En France, en Belgique, au Luxembourg et dans plusieurs pays d'Europe. L'abonnement est accessible. Tu connais par cœur, mon Grim. Ça fait plaisir, en tout cas. Bah oui. Pour accéder à ta salle. À 20 euros, je dirais même 19,99 € pour 4 semaines, 24,99 € pour avoir accès à toutes les salles de France, et 29,99 €, tu veux y aller avec un ami à toi qui n'a pas l'abonnement. Ouais, t'es chaud. Et oui, par exemple, si tu veux y aller avec Théo, que moi j'ai l'abonnement à 29. Pourquoi Théo, frère? Quoi? Pourquoi Théo? Je sais pas, et dans toute l'Europe. À 29,99 € quoi. En plus, il y a une offre en ce moment, vous pouvez vous inscrire à la salle, il y a 4 semaines offertes, plus le fameux sac de sport, on le connaît. Pour être fashion, jusqu'au 29 février inclus pour toute nouvelle inscription à un abonnement. Attends, on est en année bissextile? J'en sais rien. Bah 29 février. Bah 29, c'est comme d'hab. Non, le février, ça finit en 28, on est en année bissextile ou pas? C'est tous les 4 ans. Encore? Oui, on est en année bissextile, je crois. Et Lyon qui s'est sub, t'es un suceur. No way. Non, c'est vrai ou pas? Non, j'ai vu Elion. Donc là, il y a Elion qui est dans le chat. Attends. Oh non. Comment je te jure, Elian Vente, c'est le dernier sub. Non, c'est un truc de fou, il est juste à côté. Mais en plus, il va vraiment passer dans 5 minutes. Mais oui. Eh, merci au sub. Merci Elian. Elian qui a fait le live ballon ce week-end. Ça a été un peu l'animation du week-end. Ouais. Domingo. Attends. Domingo, si attends, c'est pas dans déjà, Rewind, tu vas voir. Déjà. Merci Basic Fit. Merci pour l'émission depuis cette rentrée. De nous soutenir pour de vrai. Merci. Et oui, Elian s'est mis sous ballon pendant 24 heures. Elian s'est mis sous ballon pendant 24 heures et il m'a dit un truc de fou, les gars. Désolé, je suis en train de faire attendre Hugo, mais Elian a dit un truc de fou, c'est que, tu vois, il a fait le live 24 heures. Oui. Et avec Thibaut, du coup, on lui disait, mais wesh, frère, 24 heures, c'est long et tout. Il dit, non, franchement, je le lance à 16 heures, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Et je lui dis, mais gros, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas. Enfin, après, en fait, si il s'enquille, genre, il dort 23 heures à midi, en vrai, c'est plus rapide. Parce que c'est vrai que si tu commences à 8 heures, tu vas pas dormir en journée. Déjà, juste pouvoir dormir pour moi. Réussir à t'endormir en live comme ça avec des gens qui te regardent, il faut être un peu un psychopathe. Oui, non, mais moi, c'est pour ça. Je vous le dis. Moi, c'est pour ça que c'est battant, mais ce truc, le fait de dormir en live me dit. Regarde, en fait, ce n'est jamais arrivé. En fait, je sais que c'est droit sur moi, tu sais ou pas. Tu sais, quand tu dors, tu bouges, tu contrôles pas oui, ton corps. Oui. Je sais que je serai le premier streamer où il y aura. Le zob, il va dépasser.
Tu penses? Genre, il va tomber de ton short ou je sais pas. My dream, que ça arrive. Si ça arrive, les gars, mettez des screens, vous m'envoyez ça en balle. Et voilà, comme ça, on regarde un petit peu le matos et... Je fais une petite review. Et voilà. On fait... Bravo, Grim, pour ce lundi, au fait. Merci, on n'en a pas parlé. Grim, il a fait une vraie presta. Est-ce que tu referais une presta live ou pas? Genre, là, si on te donne un micro... Non, pas maintenant. Mais genre, pas pour moi. Tu pourrais la... Franchement, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. J'ai un appel, frère. T'es un ouf. Tiens, get. Non, attends. C'est The Rock? Dwayne! Yes, the man. Yeah. And don't forget to shave your dick, man. Don't forget to shave your dick. Bye. Shave what? Yes. I love the work, man. Yeah. Bye. Putain, c'était The Rock. C'est une dinguerie, gros. The Rock, The Rock qui t'appelle. J'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin. Mais... Attends, il a dit quoi? Il a dit shave your dick. Save. Il a dit save your freak. Frère, il a dit shave your dick. C'est un mais trop bizarre. Ouais, tu rigoles. Ouais, c'est The Rock qui t'a dit ça, par contre. Ouais, ah, ça fait plaisir en tout cas, The Rock appelle. C'est cool qu'il soutient en vrai, c'est-à-dire qu'il a fait la perf. Ouais, save your chic, en mode reste chic. Ok. Ça fait plaisir qu'il ait dit c'est ça. C'est un bon. Les amis, comme je vous le disais, on reçoit une personnalité importante aujourd'hui. Là, il n'y a plus de blagues. Il n'y a plus de rien. C'est le gars, c'est. On rigole pas ? Homme de l'année GQ, under Trent, under 13, under 13. Ah non, 30 under 30. 30 ? Ah, t'as envie de. 30 t'as soif, genre. Non, c'est 30. 30 under 30, un des hommes les plus influents de la planète, c'est et lui des qui plus tire. Grands, hein. Bien sûr, c'est lui qui tire les ficelles. Je pense qu'il a 2m5. Le plus grand guetteur de France, la famille. Il tire quelles ficelles? Toutes les ficelles. Les amis, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous annoncer notre invité chicos de la semaine. C'est Hugo Décrypte qui est avec nous tout de suite maintenant, là tout de suite. Non. Bonsoir. Monsieur. Bonjour, monsieur. Belle veste. Je parlais d'elle. Ah là. Sale bâtard. Ah là. Je parlais pas à toi, bien sûr, Hugo. Mais c'est vrai qu'elle rend mieux. Elle rend mieux en caméra. T'as vu vrai. La caméra, c'est un pimp, ça. C'est assez choquant parce que ça partait de. Mais c'est. Bah là, en fait, de je très loin. Mais ça fait un peu marché de Rungis en face. Voilà. Quoi? Non, mais t'es un malade. Non, mais un marché de Rungis à côté du printemps d'Afco Martin. Des plus grandes maisons françaises de vêtements. Tu es en train de les insulter? Ah mais je parlais de ma veste. J'espère que t'es un bon avocat. On va pas en rester là. Toi t'es dans la merde, toi t'es dans la merde, tous les deux dans la merde. Vous êtes tous les deux dans la merde. Les amis, je suis content. Je suis content d'être avec toi, Hugo. Bah ça fait plaisir. Voilà, je suis content. T'es content d'être là? Bah je suis très content d'être là. Franchement, je suis très content d'être là. Je vois qu'il y a un public en folie. Je me suis ouais, toujours y a demandé. Un public de fou. Il y a Fred. Il grandit, il arrête pas de grandir. Grandit jour en jour. Et bien sûr Kevin, Anaïs qu'on connaît déjà, nos plus fidèles finalement. Mais ça me perturbe parce que je me suis toujours demandé s'il restait toute l'émission et si on avait voilà s'il y avait un lien qui se faisait au fil de l'émission entre nous. Tu auras toutes les réponses à tes questions aujourd'hui. Incroyable. Oui. Je viens observer le public. Le quatrième mur. Tu vas franchir la barrière. Merci c'est beaucoup. Beau. C'est le quatrième mur. Chiap. Merci ouais, beaucoup Hugo d'être c'est avec beau. Nous aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir. On est très content d'avoir avec nous dans l'émission non, parce les gars, que les gars, JC va revenir. Il regarde de chez lui. Là. Ah oui, par contre JC. Bah ouais. Au 7 JC. Non, pas au 7. Au 7. Pas au 7. Soutiens JC. Il revient vite la team. Il revient vite, il était un peu occupé, il revient, il est pas mort. Non mais arrêtez, c'est ça votre problème. Les gars, ça part pas... en hommage direct là, c'est un peu rapide. Non mais ça part en hommage. Là ça va être déjà au 7. Les gars, JC reviendra. JC, il va revenir, Marie, elle va revenir, vous inquiétez pas. C'est juste que malgré tout, nos fans... Ils se reposent, en paix, ils se reposent, ils se reposent. En paix, genre en mode, ils chill. Et puis chacun, ils ont leur propre carrière. Là, JC, il m'a dit, il préparait des gros concepts TikTok là. Là ouais, JC, il va revenir fort avec un programme. Il y a peut-être Popcorn. Oh. My dream que genre JC soit invité de Popcorn. Genre demain, il y a genre OP Crot, Magla et JC. Non, c'est pas Magla, c'est Natou. Et JC, c'est my et dream. Et Orti aussi. Et Orti. Et JC, du coup. Mais my dream, frère, my dream. En fait, on l'a pas vu parler. À chaque fois qu'il parle, c'est pas beaucoup. Ouais. Moi, je veux. Ouais, tu vois, il frappe fort. Il frappe fort direct. C'est ça. C'est pour ça, ça juste, fait... il est dans le public. D'un coup, il y a une cam à un moment. Oui. Il est là. Il est là. Oh, et l'émission continue après. My dream, my dream. Hugo,
On est très content que tu aies accepté de faire zen, parce que c'est pas un exercice facile, surtout quand t'as cette posture un petit peu journalistique. T'es un peu perturbé, en plus on va te piquer, on va quand même que ça pique, ça pique. Arrête de faire ça. Tu abîmes le truc. T'es comme à la maison ici, sois à l'aise. Merci pour l'invite. On met les pieds dans le plat. T'es pas non plus à la maison, on est à Webedia, on est au premier étage, à l'Arena. Tu doxes, carrément tu doxes. Bah, pas le volant couturier, l'adresse est publique. Ok, carrément. Ok, ça marche. Il y a l'adresse, les gars. Ben, ne venez pas en vrai, il y a la sécu. Tu peux te mettre à l'aise. On met les pieds dans le plat direct. Je te dis suite. On enlève le sujet. Tu n'auras rien à décrypter. Ah. Ok, il n'y a pas de décryptage, il n'y a pas de truc. Parce que je sentais. Les gars, j'ai eu une grosse journée, les gars. Si je peux ne pas décrypter pendant 2 heures d'affilée, je suis chaud. Normalement, il n'y a rien à décrypter, rien à debunk. Donc, tout va bien. Hugo, première question, comment ça va? Ça va très bien. Les gars, non. C'est quoi ce bordel? Il faut que... Là, regarde, il faut... Attends, je te décrypte. Tu es sur son tenue ou est-ce que... Je vais te décrypter cette caméra dans 3, 2, 1... Ouais. Non, mais c'est le goat. Putain, je suis désolé. Les gars, pas deux fois. Hugo, pas deux fois. Je suis vraiment mal à l'aise parce que c'est la première fois que ça arrive. Ah bah là c'est compliqué, pile sur moi en plus. Et t'as ton pile sur moi, c'est quand même fou quand même que ce soit le mec qui puisse décrypter. Non, t'es ouf. En mode, il y avait pas ça par exemple. Non, mais c'est arrivé au hasard. C'est les trucs de. On va pas t'apprendre ce que c'est les techniques. Ah, c'est fatigant de le faire en plus, donc je peux vraiment pas. Ah oui, ça te demande du pouvoir, je comprends. Est-ce que tu vas bien pour de vrai? Tout va bien? Ça va très bien pour de vrai, je suis très content d'être là toujours. Ça fait plaisir. Je suis content. Hugo, on peut finir l'émission là en vrai, non? C'est. Après, Hugo, on va revenir un peu sur ton parcours. Et pour tout te dire, en faisant mes recherches, j'ai été surpris. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Parce que souvent, on dit, ouais, Hugo, c'est la politique, il doit pas s'amuser et tout. En 2012, t'étais encore au lycée. Et là, tu lances quoi? Radio Londres. T'es déjà dans la Dahak. T'es déjà à Radio. Fond. Ah, j'étais... de la drill. Un petit rigolo, hein. Mais ouais, il n'y avait pas encore Centralcy, il n'y avait pas encore Dave et tout. Et toi, tu étais déjà dans cette shit. Donc arrêtez de dire qu'il ne connaît pas. C'est un des ambassadeurs de la plug. C'est lui qui a mis tous les artistes un peu londoniens sur le devant de la scène. C'était ça, Radio Londres, en fait. Centralcy, c'est moi, je l'ai fait monter. Il a commencé. Moi, j'ai connu comme ça. Hein. Littéralement comme ça. Frère, tu vois ou pas? Putain, et là, il a des chaînes en or et tout. Tu vois? Qu'est-ce que c'est Radio Londres? Hugo Decrypt, raconte-nous. Radio Londres, mec, c'était, j'étais au collège, même à l'époque, et j'étais intéressé comme un mec chelou par l'actualité et la politique à cet âge-là. Et du coup, j'ai lancé un site où j'écrivais des articles sur l'actualité, notamment la politique, parce que ça me faisait kiffer, je voulais le faire sur un site. Et j'avais tout un tas de personnes que j'avais rencontrées via Twitter ou autre qui eux aussi voulaient écrire des articles. Et donc, on s'est mis ensemble, on s'est dit, vas-y, on va... lancer un site et écrire. Oh waouh, mais même moi, mais comment vous avez trouvé ça? Mon gars, mais. Mais nous, on est dans la faune, nous, on a tout. Franchement, je vois depuis tout à l'heure le chat, c'est quand même caca, du bon caca, je sais pas. T'as dit caca un moment? Attends. Mais non? Mais attends, à aucun moment on a dit ça. Non, mais je suis sûr, je vois pas quand quelqu'un a dit caca. Peut-être la tenue. Hugo, ouais, Radio Londres, moi en plus. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est une ref à quelque chose? Est-ce qu'à l'époque ça avait trend sur Twitter? Pourquoi c'est ça? Trend sur Twitter. Et là, je sors complètement de l'interview. Pour de vrai, je connais. Mais c'est marrant parce que je pense que la ref, très peu de gens l'auront dans le chat. En 2012, il y avait un hashtag, le hashtag Radio Londres. C'est ça. Qui était utilisé pour annoncer les résultats des élections en avant 20h. Exactement. Je m'en rappelle, je te le jure, c'est vrai. Toi, t'es journaliste aussi. Toi, tu. Oui. Toi, tu voilà. Non, mais je reçois un collègue. C'est un confrère. Voilà. Merci beaucoup, Hugo, et ça me fait beaucoup plaisir que tu le reçois. Pourquoi Radio Londres? En gros, c'était en mode message codé, un peu à la Radio Londres de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Ref historique, tu vois. Oui, non, mais que t'avais. Les résultats avant 20h. Exactement. Putain, mais vous sortez des trucs, c'est incroyable. Mais non, mais... sorti avant la fin de cuisson, température de la cuisse gauche. En gros, ça permettait d'annoncer les résultats des élections avant 20h via des messages codés pour pas être dans l'illégalité. C'est toi qui les écrivais, les articles? Non, moi je... Ah, les articles, oui, mais les tweets, non. Les tweets. Les tweets, non, je relayais ceux qui étaient les plus pertinents et qui relayaient les vrais résultats. Ok. Du coup, un petit, dès 2012, t'étais en équipe. Petit filou. Bah, je commençais, ouais. Ça, ouais, c'est fort, c'est fort. Bah, après, on était sur une bande de collégiens lycéens, mais... Ouais. C'est stylé, ça devient d'où? Parce que t'es quand même jeune, du coup, ça devient où cette passion de la politique? Ouais, t'as fait comme le petit là qui fait France 3 là. Ah oui, bah, on va se retrouver oui, pour vrai. Le reportage. C'est vrai. Mais puis, limite, un gamin de 13 ans, c'est très dur pour lui. Oui, prend une. Le petit, j'envoie du soutien. Juste... Et en ce moment, on se retrouve pour la méthode. Non, mais c'est fort. Il le fait mieux que toi. Qui ça? Il le fait super bien, bah, le présentateur. Bah oui, mais lui, c'est son rêve. Moi, je sais pas, lui, c'est un grand journaliste. Oui, je pense. Non, écoute, c'était quoi la question? Pourquoi est-ce que si jeune? Si jeune, déjà, si je suis dans la politique. En vrai, je pense que en 2012, t'avais la présidentielle. Ouais. J'ai commencé à m'intéresser à ça.
avant ça, il y avait... j'étais plus intéressé par le sport en vrai. Genre, je suivais des matchs de foot ou de handball et genre, j'allais faire des articles sur les matchs que j'allais voir. Okay, parce que ça m'intéressait à l'époque. Et après, je sais pas, la politique c'est venu au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, je me suis dit, genre, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'était facile de lancer un site normal, il suffit de le coder et voilà quoi. Moi, je kiffais ça aussi quand j'étais petit. La politique, vraiment, mais genre, vraiment quand j'étais petit. Et je crois que c'était parce que je voulais un peu faire comme les grands, je pense. Comme Le Pen ? Non, comme les grands, comme les adultes. Ah. Non, okay, je voulais pas faire comme les candidats. Ok, bah je sais pas, t'as dit, j'étais pas chez les politiques. T'as dit, je voulais faire comme. Ouais. Non ! T'arrives au lycée, tu lances Radio Londres, est-ce que c'est la politique qui t'intéresse ou c'est plus l'aspect journalistique ? C'est genre informer les gens, c'est l'exercice qui t'intéresse ? C'est l'aspect journalistique. En fait, je pense que le kiff du quelqu'un métier de journaliste... Quelqu'un a pété derrière le rideau. Je pense qu'on l'a tous entendu. Quelqu'un t'as pas entendu a pété derrière le rideau ? Il y a une glissade. Ouais, vraiment. Quelqu'un a prouté derrière le rideau, je pense vraiment. J'espère qu'on l'entend dans le rideau en mode, on l'entend derrière la caméra. Mais je sais pas, j'ai entendu vraiment un prout. Les gars, peut-être que je me trompe. On reprend pas l'émission tant que la personne s'est pas dénoncée. Bon, qui a pété ? Ça peut durer longtemps. Nous, moi, j'ai le temps. Ok. C'est Ben. C'est Ben. Vas-y. Il a pas voulu le dire, ce chien. Non, mais il a pris le temps quand même. Ouais, tu vois, il s'est dit, il y avait un ventre mou. Oui, je pense qu'il s'est dit, je vais le dire. Bon, dis la question. Faut dynamiser un peu le. Donc, ouais, c'était plus l'aspect. Donc, c'est, non, en vrai, c'est kiffant avec le côté, avec le fait de faire ce métier-là. Et je pense que c'est ce qui fait que ça attire beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que plein de gens, quand ils sont petits, veulent être journalistes sportifs ? Parce que tu dis, attends, j'ai une passion, c'est le sport. Ouais. C'est une façon pour moi d'être au plus près de ce qui m'intéresse et d'essayer d'en parler, de faire un truc. Et donc, moi, je pense que c'est venu comme ça. Et après, c'est vrai que j'ai plein de vidéos de moi, genre 10-11 ans, en train de filmer des formes de JT où mon frère me tournait. Ah ouais, t'étais déjà matrixé dans ça. Et je tournais des vidéos comme ça de JT et tout. Donc, ça fait un petit bout de temps. Ouais. Hugo, on va prendre depuis le début. Tu étais un élève brillant, puisqu'en 2015, tu rentres en première année de Sciences Po Paris. Attention, tu étais à Paris. L'une des écoles les plus prestigieuses. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est pas tous les jours. Voilà, je vous le dis, que je reçois quelqu'un qui... dans lequel je me retrouve niveau parcours scolaire. C'était pas trop relou au lycée quand on avait des 19, des 20. Ah ouais, là en mode... tu connais, hein. Putain, comment abusé. Il se porte là. Il est trop intelligent, il est beau gosse. Vous avez fait quelle filière ? Le costume qui brille. ES. ES aussi. Mon frère jusqu'au bout. Frérot. Filière de glandeur. Dans une vie parallèle, je pense qu'on bosse ensemble. Mais ta trajectoire est intéressante quand même, parce que t'es passé de journaliste à genre faire des émissions. Enfin, il y a un truc qui a dévié. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vraiment par pur hasard, quoi. Ok. Toi, t'as quitté le journalisme, tu te dis fuck, c'est pas pour moi. Mais c'est pire que ça, c'est qu'en fait, je cherchais un stage. Ok. Et il y avait un stage à Webedia pour écrire des articles sur Fortnite. Ok. Et je me suis retrouvé à Webedia, tu sais. Et moi, Dojo aussi, t'avais fait Gotaga Show, du coup. Ah, ça, oui, non, mais je faisais d'autres trucs. Mais du coup, en gros, si tu veux, j'étais un peu là et je streamais de mon côté, sans qu'il y ait trop de monde et tout, tu vois. Puis après, il y a Terra qui a commencé à venir sur Potatoes et tout, sur Twitter, ils ont commencé à voir. Et genre, du coup, j'ai dit, bah, je vais arrêter d'écrire des articles alors. Alors, tout ça, c'est pas super, mais c'est pas ton interview, genre. Il pose une question, donc en fait, c'est la moindre des choses. Non, mais là, t'as fait tout le parcours de vie, là. On est avec un collègue à moi, en fait, on se connaît très bien. C'est un confrère. Voilà. Bon, alors, moi aussi, je suis un peu journaliste, j'étais dans Télérama. Donc, vous faites. Ouais, il a été dans Télérama. C'est une folie, il a parlé d'Agnès Varda sur Télérama. C'est stylé. C'est trop stylé, frère. Est-ce l'article, il est incroyable. Mieux que l'article Fortnite Ah ouais, non, mais l'article, il est fou. T'as resté combien de temps d'interview, en vrai ? De quoi ? Dans le journal ? Non, genre à parler avec le journaliste et tout. Un quart d'heure. Un quart d'heure, tu vois. Il a pu rentrer en profondeur dans les détails, tu vois. Et ouais, c'est un quart d'heure, c'est long. Je pense que t'as tant développé des idées à fond. Tu te rappelles de l'article ? Peut-être que tu peux lui dire la l'article, phrase. En gros, il avait mis Agnès Varda, c'est bien. Ah, selon Grim Cujo. Franchement, c'est un beau parcours. Il y avait quand même écrit Grim Cujo, tu vois. Bah, franchement, c'est pas mal. C'est pas tout le monde. Influenceur et tout. Ouais, je crois. Connard. Non, on bosse quoi. Connard. Hugo, 2015, tu rentres à Sciences Po. Comment dans Sciences Po. Tu rentres dans Sciences Po. Dans le bâtiment, quoi. Je pense que tu rentres dans le BAT. C'est combien l'année d'études, Sciences Po ? C'est 5. C'est 12. Avec le master, c'est 5. C'est 12 si t'es Maxime et que tu redoubles cette fois. Ouais. J'ai fait la prépa de l'IEP. Je suis pas allé plus loin que ça. T'es peut-être pas continué. Non, je suis pas allé plus loin. Comment ça se passe, Sciences Po Paris ? C'est la première question, parce que c'est vraiment une école très sélective, c'est censé former les plus grandes fonctions. D'ailleurs, la plupart des représentants politiques font soit genre Sciences Po l'ENA, ou genre HEC l'ENA. On sait, mais l'ENA J'allais la faire J'allais dire HEC aux situations. Celle-là, tu t'attendais pas à venir, tu la prends pleine gueule, mon pote. Vlog de l'ENA. Vlog d'août. Aujourd'hui, on va parler géopolitique avec... voilà. Alors, ça se passe. La chute était pas au niveau du reste. Ouais, la chute, mais j'ai beaucoup aimé. La chute, on n'a pas été au niveau. La chute, on a chié, frère. La question, c'était qu'est-ce que ça fait ? Non, mais alors, déjà, ce qui est très marrant et ce qui est mi-cliché, mi-complètement vrai, c'est que, donc, comme tu dis, il y a pas mal de présidents de la République qui ont fait Sciences Po, c'est un fait. Et t'as des gens
qui, quand ils entrent à Sciences Po, je pense que leur cerveau, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça twist et ils ont le sentiment qu'ils doivent être en mode président. Ah oui, donc t'as des gars. Avoir une représentation. C'est une réalité très factuelle et vous pouvez être devant Sciences Po et vous en verrez quelques personnages comme ça qui, quand ils sortent du bac, ils passent le bac, hein, ils rentrent à Sciences Po, le premier jour à Sciences Po, c'est la tenue, alors quand même pas la tienne parce que voilà, mais c'est la tenue de Grimm en mode je suis là pour être président. Quoi. Et il l'assume. Attends, mais toi t'étais habillé comment ? Non, moi j'étais habillé comme ça. Non, moi c'est pas mon. Mais moi, attends, mais c'est comme Léna, moi j'étais en mode Disney. Non, Sciences Po, c'est. Non, Sciences Po, les gens sont habillés, sauf quelques-uns, les gens ils sont habillés normal. Elle a fait collab Jennifer, elle a fait Dior beaucoup aussi. Je me fais un truc avec le Ritz. Avec le Ritz, tout ça, donc je pense que c'est pas des costumes. Peut-être qu'elle a fait des trucs en costume, mais je suis pas sûr, tu vois. Ça dépend. Faudrait, Met Gala. Faudrait lui demander. Je sais pas si t'as son ennume ou un truc. J'ai pas, elle m'a bloqué. Ah, je capte. Après Zen, elle a rayé la liste. Ok. Ouais, je capte. Donc voilà, et donc moi, Sciences Po, c'était cool. En fait, il y a un dicton, je sais pas si c'est un dicton, mais qui dit que le plus dur, c'est d'y entrer. À l'époque, c'était un peu vrai. C'est-à-dire que c'est dur de rentrer à Sciences Po, c'est et après, les années... Une fois qu'il y est, t'as du temps quand même pour faire des trucs. C'est pour ça que j'ai pu lancer Hugo Décrypte. Hein. Et voilà, quoi. Et alors, est-ce que tu penses que c'est la réputation, la legacy de l'école qui fait que quand t'arrives dedans, tu sais que t'es normalement prédestiné à faire des choses, à être dans les hautes fonctions de l'État, et du coup qui fait que tu t'imposes une posture un peu en mode maintenant je suis good. Parce qu'en plus avec l'ère des réseaux sociaux, si tu fais des bêtises dans ta jeunesse et tout, maintenant ça se voit concrètement. Maintenant on les a vus. Hein. Moi je suis dans la merde. Toi mec, toi c'est cramé. Moi c'est mort. Non, par contre je pense qu'il y a un vrai truc où ils te mettent quand même un. Bah déjà les cours quand même en vrai sont ultra quali, ça tu peux pas. Ouais, c'est sûr. C'est très kiffant de ce point de vue-là. Maintenant ils te mettent une petite pression en mode voilà, vous avez intérêt à faire des trucs cool quoi. Moi, dans mon cas, j'ai juste capté que j'allais avoir du temps aussi pour faire des trucs à côté. Et c'est là aussi où, en vrai, à l'époque, aujourd'hui, tu vois, une chaîne YouTube sur l'actualité, t'en as plein d'autres, enfin, c'est un truc qui se fait. À l'époque, quand je lance la chaîne, c'est un peu bizarre, tu vois. Je lance ma chaîne sur l'actualité alors que je suis à Sciences Po. Ouais. Les gens, même à Sciences Po, sont en mode, mais qu'est-ce qu'il fout ? Genre, il lance une chaîne YouTube alors qu'à l'époque, t'avais, tu vois, Cyprien, Squeezie et voilà. Genre, quoi, il est con quoi ? Pas de politique, gros, fais tes devoirs et ta gueule, genre. Ouais, il disait pas ça, Bah, ici, on a DST devant quoi. Il disait pas ça. Si tu t'insultes, t'es en train d'insulter un gars qui est venu gentiment dans l'émission où il prend que 10 000. Hein ? Il prend que 10 000 pour venir. Ouais, j'ai. Il a fait les morts. On en parlera d'ailleurs, mais. Oui, non, t'inquiète. Moi aussi, je parlais d'actu. T'avais le temps de t'amuser un peu. Genre, c'était quoi, je sais pas, vos jeux à Sciences Po ? Est-ce qu'il y avait des divertissements ? Il y avait des trucs ? Oh non, qu'est-ce que c'est ? Mesdames, messieurs, honorables membres du jury, chers participants, bienvenue dans ce concours d'éloquence. Waouh ! Wow. Oh, incroyable, un concours d'éloquence. Énorme ! Bravo ! Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à un sujet qui, dans le contexte des grandes écoles, suscite à la fois curiosité, fascination, interrogation, j'ai choisi le divertissement. Il parle, hein. Il y a du monde. C'est fort. Hein. Est-ce parce que nos parents sont ministres ou présidents que nous sommes exempts de vils canulars ? À cela, je réponds non. Et je laisserai argumenter désormais celui qui n'a jamais eu la chance, oui, de tremper alors son petit biscuit. Oh là, il attaque. Wow. C'est une attaque frontale. Puceau au moins, le rire. Sérieusement. Une telle remarque ne m'avait pas été adressée depuis bien longtemps. Consulte mes habits pour savoir si je suis vierge. Et tu verras les réponses que tu obtiendras. Rien que la semaine dernière, j'ai eu des relations sexuelles. Donc garde le silence. Toi qui sembles être un individu inexpérimenté. Car tu donnes l'impression d'être un inexpérimenté de mauvais goût. Souvent, vous semblez frustré par le manque d'expérience sexuelle. Il est agréable d'avoir des relations intimes avec une femme en adoptant des positions telles que le missionnaire ou l'Amazone. Tu ne peux pas répondre car tu n'as pas d'expérience à ce sujet. Ou bien, tu le sais, mais tu as dû faire des recherches sur Internet en tapant position du missionnaire sexe ou bien encore position de l'Amazone sexe pour comprendre ce que c'était. MDR. Waouh, c'est fort, c'est fort, hein, putain. Putain, mais
Je suis choqué de... Beau, hein. Ah, il se serre la main quand même, bon copain, bravo. Le niveau fait que monter. Le niveau monte. Toi, tu trouvais que... Qui était le plus éloquent? Ouais, c'est vrai. Celui à droite était le plus original, j'ai trouvé. Il y avait une vraie recherche, une vraie érudition, un vrai travail de fond. C'était... Ah, c'est dingue. Merci beaucoup, les gars. À gauche, t'es mauvais. Hein. Cassez-vous. C'est dingue. Ouais, L'un des deux a pété tout à l'heure. Oui, mais il s'est bien rattrapé. Ouais. Il s'est bien rattrapé. Tu faisais des concours d'éloquence? Je faisais pas de concours d'éloquence. Je suis allé voir des concours d'éloquence. Et franchement, il y a des trucs, c'est très impressionnant. Enfin, c'est très marrant, quoi. J'ai failli en faire un, moi. Alors, je pense pas. Toi, t'es juste allé chez l'orthophoniste, mais c'était pas. Non, mais j'ai failli en faire un en première, mais je l'ai pas fait, j'avais trop la flemme. Non, tu joues piment. Mais là, t'es dommage. Il y avait un truc? Non, en cours, ça nous a dit. Il y a un concours d'éloquence, venez participer, mais on n'était pas obligé. J'ai trop la flemme. Ok, je capte. On avait vu un docu de 40 minutes sur le concours d'éloquence, ça a dit participer. Moi, je tombe. Ouais, je capte. En plus, j'en ai pas besoin. Franchement, tu broies la langue de Molière, je pense que tu les aurais démontés tous, frère. C'était même humiliant pour eux, c'était pas bien. C'est pour ça que c'est pas fait. Gros, t'aurais dit une syllabe sur deux. Ils disent ok, vous faites enculer, vous. Ok. Si tu veux, ouais. Vous avez pas le bac. Non. Moi, j'en vois un. Attends, juste un concours d'éloquence où tu flops non-stop. Je pense que ça peut être le plus gros moment de malaise de l'histoire. C'est incroyable. Mais tu vas dans un truc à la Sciences Po sur un concours d'éloquence comme ça, tu t'inscris en mode très sérieux, t'arrives à passer et c'est flop. Mais il y a moyen de s'inscrire vraiment? Je sais pas. Non, en tout cas, t'as des trucs équivalents. Incroyable. Équivalent. Ouais, le truc qui m'énerve, c'est que là, vous croyez vraiment que si j'y vais, moi, j'y vais pour gagner en fait. Mais comment ça? Il faut que tu y ailles pour. Il faut dire les mots dans le bon ordre. Si j'y vais, je peux parler du logarithme népérien. Ok. Grim, pour faire un concours d'éloquence, faut dire les mots dans le bon ordre. Sans bégayer, dire toutes les syllabes et qu'on comprenne toutes les syllabes. Oui, si tu veux. Ça peut être comme ça. Ok. Moi, je capte. Moi, j'en ai un sur TikTok. Je vois un gars sur TikTok, j'ai oublié son nom, mais il est trop fort. Il fait plein de... Des trucs d'éloquence? Oui. Ah, je vois pas. Et en fait, il met ses extraits. Il est trop chaud. Il avait gagné un truc, je sais plus quoi. Mais fort. L'info, elle est... C'est bon, c'est pour bon. Hey, c'est pas égo d'écrypte, d'accord? Il y en a qui décryptent, moi, je crypte. Moi, l'info, je la prends, je la crypte, et après, il y a du. Et moi, je décrypte à côté. C'est Hugo qui. C'est un travail à la chaîne. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des gens de ta promo, moi, c'est une vraie question que je me pose, qui ont maintenant des fonctions de fou? De ma promo, non. Enfin, je crois pas. Après, si, il y en a beaucoup, je pense, qui bossent dans des. De ma promo, qui doivent bosser dans des cabinets de ministère ou de machin. Non, par contre, de génération au-dessus, t'as des. Qui a fait Sciences Po Gabriel Attal? Oui. Le mais c'était quand même il y a. Enfin, tu l'as pas mais, croisé. Mais il a été, j'ai appris ça récemment, il a été président du BDE. Il a été président du BDE. Président du BDE. Ah oui. Donc moi, j'ai envie de retrouver des archives des campagnes BDE à l'époque parce que c'était un petit. Attends, c'est ouf ça par contre. Oh. Oh là là, frère, c'est une folie. Hey, mon gars, t'es une légende à l'EDEC, mon gars. C'est une folie, frère. Putain, c'est. Je suis ému de te voir. Mec, on est en mec. Ouais, juste prendre une petite vidéo, mon gars, je suis désolé. Hein. Oh là là, c'est un truc de fou. Vas-y. Vas-y, mon gars, dis. Dis, votez Hippolyte pour l'élection des délégués du BDE, mon gars. Vas-y, dis. Votez Hippolyte, élection BDE, tout ça. BDE. Putain, ça fait plaisir. Oh la dinguerie. Pleure pas, frère. Non. T'inquiète. C'est ça, tu nous fous la honte, frère. Wesh. Ah, fais gaffe. Ah, merci beaucoup, mon gars. Ouais, je suis désolé de vous déranger. Hein. Tu prends pas, sur. Prends pas. Je laisse, je suis désolé. Il laisse grave. Wesh. Ah, oui, c'est pas. Ah, d'accord, d'accord. Sur ce coup, c'est pas des lol. Il avait vraiment une doudoune de raciste comme toi il y a 2 ans. T'avais la même. J'avais cette douche en manche, mais pour ma défense, ça ne mettait pas avec un t-shirt. Attends, c'est quoi la marque, tu sais, la marque de racisme, tu sais, il y a le logo Navy un peu là. Quoi? T'avais un pull comme ça. C'est une marque, tu sais, elle est genre connotée marque de racisme, genre. Connotée marque de. Non, mais n'importe quoi, c'est Stone Island. C'est pas une marque de racisme. Mais c'est pas une marque de racisme, c'est juste que ça a été repris beaucoup par les hooligans et tout. Mais c'est pas une marque de racisme. Tu l'as porté quand même 6 mois, je pense, du coup, t'as. Mais tu comprends pas quand. Il y avait écrit je suis raciste sur. Bon, Stone Island encore, c'est une institution, genre. Voilà, bah encore ça. Arrête les clichés. Ah ouais, tu veux qu'on aille dans les clichés? Vas-y. Vous en Normandie. Vous avez que des vaches, me. T'as cru que j'allais dire quoi? Je parlais de la Normandie. Ouais. Est-ce que t'allais dire nous en Charente on a le Fort Boyard, je sais pas. Eh, j'en ai rien à foutre, gros. Hugo, oui. 2015. Oui. Toujours. Je vais faire l'interview avec les billets au sol. Tu peux les garder, il y a des dollars, il y a de tout. Hugo 2015, c'est aussi l'année où tu commences vraiment à décrypter. Ouais. Parce que vraiment. Non, c'est à moi, non. C'est l'année où tu commences vraiment à décrypter, parce que c'est la naissance de la chaîne Hugo Décrypte. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'idée de créer cette chaîne YouTube? J'ai réalisé... Ah non, arrête,
essayer un truc. Je peux le faire ou pas, moi, peut-être? Mais essaye, mais je pense pas que ça marche. Regarde, regarde, regarde. Tu me vois la gomme? Attends. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas, frère, c'est que lui qui fait. Faut que je décrypte ça ou oui, pas? Oui, s'il te plaît. Cette caméra, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi juste décrypter ça, là. Décrypte un coup, frère. Bon, là, normalement. Il a fait Merci un créneau. Beaucoup, là. Mes frères, j'ai littéralement fait un créneau arrière. Il fait des créneaux, il fait carrément. J'ai percuté la voiture. T'as le permis? J'ai le permis, ouais. Depuis quel âge? 18 ans. Putain. Pourquoi tu passes? Ouais. Je te demande, je suis en train de réviser le code, moi. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Mais le problème, c'est que j'ai pas mon code neuf et j'ai pas fait ma JDC. Ah, si tu veux. Ton code neuf? Le code neuf? C'est quoi le code neuf? Je sais pas, il faut le code neuf pour passer le code. C'est quoi le code neuf? Quoi? Ah, c'est bien. Je te jure, bref, ils m'ont demandé un code neuf, moi. Mais c'est quoi le code neuf? Je sais pas, frère. Regarde, NEPH. NEP, ça roule, faut dire. Code neuf? Bon. Il y a une rêve qu'on a pas ou une vraie? Mais non, c'est vraiment un vrai truc. Bah, demande. Non, mais les mecs. Je suis allé sur le site, c'est grave galère. En plus, c'est moi, pour les entreprises apparemment. J'ai pas fait ma JDC moi. Ah, mais c'est ça. T'as pas fait ta JDC? Mais non. C'est pour ça autant. Il y a trop d'infos à la minute. Pourquoi t'as pas fait ta JDC? Mais tu sais que si t'as pas fait ta JDC, t'es obligé de faire le service national universel quand ce sera obligatoire pour tout le monde. Tu sais le truc de 12 jours obligatoire avec l'armée? Ah putain, je dois faire. Ouais, c'est obligatoire. Oh. Bon, c'est soit l'un, soit l'autre. Oh, la France, faites-moi faire la JDC là. Mais gros, tu vas te retrouver avec Thibaut Inchep là pendant 12 jours à faire des pompes. Attends, mais 12 jours, t'es sérieux? Parce que, non, mais c'est pas encore obligatoire. Moi, ça va l'être. Hein. Parce que moi, je suis recensé, mais j'ai pas ma JDC. Mais pourquoi tu l'as pas? Bah, en gros, quand j'ai passé le bac, ils m'ont dit qu'il faut être recensé JDC. Et un jour avant que ça soit trop tard, je me suis fait recenser. Et la JDC, je crois qu'ils m'ont envoyé des mails, mais j'ai oublié de répondre. Frère, même pendant le Covid, j'aurais pu faire ma JDC pour le Covid, mais j'ai oublié. Mais tu sais, c'est littéralement que c'est obligatoire. Je pense que c'est vraiment ça qui. Attends, mais je suis allé en prison là, je suis allé en prison là. Ah, mais moi, la merde. Ah, mais en plus, tu l'as dit devant Hugo Décrypte qui. Ah, bah, moi, c'est dans les actus demain. Bah oui, c'est ça. Je rigole la télé. Non, t'es dans la merde, frère, c'est laisse tomber. Hugo Décrypte, qu'est-ce qui t'a poussé en 2015 à lancer cette chaîne Hugo Décrypte? Très simple, j'avais toujours cet intérêt pour l'actualité. Ouais. Je voulais toujours faire du journalisme. Ouais. J'avais du temps pendant mes études. Et je voyais que, en fait, ça avait. Oh, pff, l'archive. T'as pas bougé, hein? Non, j'ai. Okay. Comment t'as... ça? Non, mais t'as pas bougé de... Moi, c'était il y a 9 ans! Comment ça? Comment t'as pas bougé de Comment look? Ça, j'ai pas bougé. Ah, de look? De tête! De tête? T'as pas bougé de tête. T'as pas de golf, hein? Enfoiré. Alors, ouais, le. Ouais, ah, le oui, goût. Ça, oui. Ça, ah, ouais, ça, franchement, t'es clean. Attends, du coup, t'as... 2015, t'avais quel âge? 2015, j'avais 18 ans. Toi, t'avais ouais. 18 ans. T'étais déjà journaliste. T'es un 97 quoi. Ouais. Oh, y a trop de trucs, y a trop de trucs. Mais entre nous, frère. Deux là, y a. Là, y a un truc de fou qui se passe entre lui et moi, Grim. Je vais pas te mentir. Bah, embrassez-vous, hein, c'est bon. Vas-y, je vais y songer à deux fois. À l'époque, alors déjà, à l'époque. Moi, je suis un 2001. Moi, je suis encore. Moi, j'ai toute la vie devant moi. Hein. Moi, j'ai toute la vie devant moi. Vous êtes plus proche des 50 ans que des zéros. Hein. Et toi, t'es plus proche. Et toi, tu. À l'époque, il s'agit de vidéos d'actualité courtes, ouais. Sur un format assez court, c'était 5 minutes pour décrypter. Tu sors en moyenne une vidéo tous les RPZ 15 jours. RPZ les 2001, Génération Miracle, Dr. Dre, 2001. À tous mes redoublants, 2001, on a le bac Covid, on se sait. 2001. Donc les 2001 redoublants. Plus ça va, plus la dédicace, elle est sur un. Mais niche, quoi. Il a eu le bac pendant le Covid. Ouais, il a redoublé. Attends, donc toi, t'as bac Covid, pas de JDC. Pas ton code NEP. Mais arrête, tu veux m'envoyer en prison là. C'est pas le code tout court. C'est fort, hein. Oh, mais, il a l'avenir devant lui, il a dit. J'ai le smile. Tout va bien. Mais t'as validé ta licence. Il a pas validé sa licence. Tu sors une vidéo tous les 15 jours. Est-ce qu'à ce moment-là, t'es tout seul à faire tes recherches, à écrire tes sujets, à rechercher les infos? Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident? Comment ça se passe? Au tout début, j'ai avec 2-3 potes qui m'aident. Et après, pendant un moment, je faisais ça tout seul. Et ouais, bah je faisais une vidéo par semaine. Oh waouh! Wow, 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 l'écharpe de fou! Ah là, c'est surtout que ça, je crois que c'était une des deuxièmes vidéos. T'étais déjà là-bas à cette époque? Déjà ouais, là-bas. Ah ouais, t'es vieux. Wow. Et ouais, et donc du coup, je fais des vidéos d'actualité. Là, on faisait un truc sur le conflit Uber-VTC. Et j'étais en mode, bah on va essayer de l'expliquer depuis un VTC. Ce qui était, d'un point de vue info, inutile à faire. C'était juste un cadre de tournage. Voilà. C'est bien, c'est une petite plus-value. Et c'était quoi l'équipe? C'était avec Tom Décrypte et Jack Décrypte, quoi. Non, c'était. Alors, c'était avec un gars en plus, Clément Lano. Clément Décrypte. Attends, Clément Lano, ça me dit un truc. C'est un gars qui est maintenant journaliste sur le terrain, qui couvre pas mal de sujets d'actualité sur le terrain. Je connais. Peut-être déjà vu. Mais c'est lui qui filmait tout ça. Ok. Et donc voilà, ouais, je commence à faire une vidéo par semaine. Et puis, au fur et à mesure, ça grandit un peu. Et voilà, quoi. Là, on passe à 2017. On fait un petit saut dans le temps. 2017, grosse période pour toi parce que c'est l'élection présidentielle. Tu décryptes le programme des candidats. Tu vlogs dans les manifs. Tu vas dans les meetings. Mais tu fais aussi les premières interviews de candidats.
avec l'interview augmentée. T'étais comment sur tes premiers one-to-one avec les intervieweurs, enfin les personnalités politiques, parce que c'est quand même des experts en communication et tout, ils peuvent te manger. Est-ce que c'est intimidant? Comment ça se passe? Est-ce que c'est intimidant? Oui. Est-ce que j'étais bon? Je pense pas. T'étais le goat, mec. C'était juste le goat. Non, je pense que c'était le début, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a peu de candidats qui ont accepté. Il y a eu notamment Bruno Le Maire, qui à l'époque était... Donc là, il est ministre de l'économie. Oui. À l'époque, il était candidat... Il a les cheveux blancs? Oui. Ah non, bah oui. Bah oui, il a les cheveux blancs. Je confonds avec... Bah non, il a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. Hein. Bah oui. Alors ça, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça, c'est Benoît Hamon. Benoît Hamon. En il avait un kebab. Et donc, notamment, lui avait accepté. Et voilà, exactement. Il avait les cheveux blancs. Donc je pense qu'il les a encore. Et à l'époque, pendant l'interview, je pense qu'il sent qu'il faut être un peu jeune, il faut être un peu... tu vois. Et il lâche, pendant l'interview comme ça, il lâche... Putain, moi je veux que les Français ils se disent et que les jeunes Français ils se disent putain, être français c'est la classe. Il lâche ça pendant l'interview. Autrement dit, ça a été repris. Il a fait ouais, trop bien. Littéralement. Putain, il s'est dit là je suis jeune de ouf. Je fais putain, putain, votez pour moi. Votez pour moi les jeunes. Mais c'était presque ça. Je pense qu'il se disait mais qu'est-ce qui se passe là? C'est normal ça? Oui, c'est normal, bah, tu sais, ça c'est des gens qui rangent, enfin il n'y a pas de. Ok, il y a juste. Okay, non, juste que. Les backstage de. Ouais, ouais, il n'y okay. a pas de soucis. Bah, t'avais dit là, tu vois le quatrième mur, tu vois. Ah, bah là, je vois le quatrième mur, mais après, je suis venu là pour ça. Après, j'avoue, le plan, on dirait vraiment. Mais juste entre les paix en backstage. Et là, il y a. En fait, on voit nous, de bon, notre angle, c'est un gars. C'est un peu des. Ouais. Il n'y a que des jambes. Mais attends. Qu'est-ce qui se passe? On le voit? Non, on voit pas. On voit des jambes. On voit des jambes aussi, on voit des jambes. Le coup de la jambe. Bon. Il est en train de décrypter Zen, les mecs, on est dans la merde totale. Ok, bah, le public est toujours attentif, en tout cas, ça j'aime bien. Mais le public adore être là. Et donc, il est réactif parce que ça prouve que c'est pas des statues ou quoi. Ils ont dit, oui, on est réactif. Des vrais gens qui adorent être là. C'est des IA, de toute façon. Aujourd'hui, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Ils vont remplacer le. Allez, c'est chiant. Tu te retrouves même chroniqueur sur. Votre décor, c'est une IA? Les décors, c'est tout vrai, c'est la Flop Tower. Je vais te poser une question. Non, non, on a fait OpenSea, les immeubles, non? Avec qui? Avec OpenSea, on a avec Open Mic. C'est une IA. C'est qui? Pose ta question. Est-ce que t'avais capté qu'on était au sommet de la Flop Tower? Je posais la question à Gotaga la dernière fois. Genre là, c'est les buildings, là il y a la tour, et nous en fait on est au sommet de la tour, c'est pour ça que t'es arrivé par l'ascenseur. Alors l'ascenseur, j'ai capté. Donc tu montais, tu vois, tu montes. Est-ce dans que t'as capté que t'étais en haut d'une tour ou pas? Non, mais la Flop Tower elle est là. Merci. Oui, c'est un peu un. Donc, logiquement, c'est on n'y est ça pas. Qui est chiant, mais. Pour moi, on n'y est pas. On est quand même en haut d'un truc. T'as capté non, que ça, j'ai capté, ça, j'ai capté. Ok, bon, ça va. Okay. Dirais, pour moi, décor Minecraft, mais... par contre, les petits... Ça fait un peu Minecraft. C'est un peu Minecraft. Pensé tout à l'heure. C'est un peu Minecraft. Alors moi, d'accord. Je trouve ça un peu Louis Vuitton, la collection printemps-été de Pharrell. Non, mais je suis un peu d'accord. Et je suis content que tu relèves la grandeur de cette maison, parce que c'est la maison que je porte dans mon cœur. Voilà. Non, voilà, voilà. Ça rappelle un peu la collection de Pharrell. Merci beaucoup. Tu te retrouves même à un moment... Une tenue Grimm ou... Non, moi, je suis pas... Tu t'en fiches. Je pars mondi quoi. Ok, non, ça fait plaisir parce qu'il me demandait justement si t'en voulais une et il savait pas quoi la réponse. Si. Ah non, mais tu m'as dit que t'en voulais pas spécialement. UL. C'est quoi? Ah. LL? Joule? Ça fait LOL là. LOL? UL? VL? VRL? Ah, la Valorant League là? VCT? VCT, je comprends. Bon, tu te retrouves même chroniqueur sur LCI. Oh oui. Sur la même période. T'aurais préféré CNews toi? Non. Tout a commencé lors d'une simple émission zen. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer les choses qui allaient se passer. Alors que l'émission se passait parfaitement bien, Grimm Cujo, adepte des blagues de mauvais goût, fera celle qui fera littéralement vriller Hugo Traverse. En effet, c'est au moment où Grimm lui dira qu'il aurait peut-être préféré aller sur CNews au lieu d'LCI que Hugo dépassera les bornes. Vexé, il se leva de son siège. Il se leva de son siège avant de lui dire droit dans les yeux « Je suis Hugo Décrypte. Je connais plein de gens au ministère. Je peux te renvoyer dans ton pays. » T'as dit ça ? J'ai pas dit ça du tout. Si, il a dit ça. Avant de lui infliger une terrible gifle, montrant à quel point les mots de Grimm Cujo avaient blessé de vérité le petit prince de l'information. J'ai jamais fait ça. C'est la première fois que Grimm se fait frapper en live, et ce jour-là,
personne n'aurait pu imaginer que l'assaillant porterait le nom de Hugo Décrypte. C'est ça, un traquenard. Oh, putain, ça fait mal. C'est un traquenard. Ouais, Grim, tu l'as pas volé celle-là. Aïe, 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 le vrai visage. Le vrai visage. Le vrai visage. J'ai pas fait blague, ça. Hein. C'était une blague, hein. J'ai pas fait ça. Et putain, waouh. J'ai pas fait ça. Ah, putain. Ça marche pas. Aïe, bon, pas... Faut la déconnade. J'ai jamais fait ça. C'est quelqu'un en pansement. La team, vous voyez, on a voulu faire la reconstitution parce qu'en fait, J'ai pas fait ça. Quand ça s'est passé, heureusement, nous, on a un peu de délai. Et en fait, pour pas qu'on se fasse ban, tellement c'était violent, on a préféré faire une reconstitution. C'est dingue. Ouais, la phrase, en plus, quand même, c'est... J'ai jamais dit ça. Écoutez, les gens ont vu ce qu'ils ont vu. Voilà. Ouais, bah, super le montage. Super l'info. Super l'intox. Hugo Intox. Alors décrypter pour voir, c'était vraiment faux ce qui est arrivé. Parce que là, c'est l'informé journaliste sur le terrain, la France. Ta gueule. T'as déjà eu des candidats qui t'ont demandé de couper un passage? Genre ou droit. Faire une réponse. Ah non, mais c'est bon. Ça y est, ça, non, mais là, c'est... Les gars, 1, 2, 3, mais je comprends pas. C'est vraiment qui fait ça, frère. 3 fois. Là, c'est vraiment la réunion. Les gars, je peux pas. Stop it now. C'est bon, là, stop. Stop. Merci. Je suis désolé, les gars, ça m'épuise à chaque fois. C'est une dose d'énergie que je dois libérer. Mais ouais, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir que tu lâches. Pas à chaque fois, c'est bon là. Ouais, je suis désolé, mec. Je suis vraiment désolé. Faut ça et le traquenard là, je suis pas. Non, non, ça, franchement, le coup monté là. Traquenard, non, le retour. Hein. T'as vu des Augustin Traquenard. Ouais. Oh, waouh. Ça, c'était bien. J'en cherchais un autre, je l'ai pas trouvé. T'as déjà des gens qui t'ont demandé de refaire une réponse, de couper des passages. Non. Pas obligé de dire des noms, mais t'as déjà. Alors. Yes. Non, mais pour la simple et bonne raison que, bah, alors, il y a des interviews qu'on fait en direct, donc de toute façon, au moins, oui, c'est voilà, clair. C'est... tu vois, quand on a fait Emmanuel Macron en septembre dernier, bah, de toute façon, au moins, c'était clair. Cut. Et les autres, ça a toujours été dans les conditions où ils checkent pas les questions avant, ils ont pas le droit de voir les questions. Ah, ok. Ils ont pas un droit de regard sur le montage. Et en fait, moi, ça a toujours été un truc, je suis très premier degré sur la réponse là, mais. Non, mais ça, c'est super intéressant. Ça a toujours été un truc où je me suis dit, je sais que si j'invite un politique sur ma chaîne, j'ai une responsabilité, dans le sens où bah, forcément, je suis suivi par des gens qui suivent l'actualité via moi, qui peuvent être jeunes, etc. Donc, si j'invite des politiques sur ma chaîne pour une interview, je dois être bon sur le fond et préparé comme il faut avec mon équipe. Et je dois aussi faire en sorte qu'il y ait les règles qui me parlent. Et d'ailleurs, tu regarderas, pendant la présidentielle, il y a un ou deux candidats qu'on n'a pas fait. Parce que, alors, ce n'était pas sur le fait de checker les questions ou quoi, mais parce qu'il y avait d'autres conditions qu'ils voulaient. Et que tu ne me parlais pas. Moi, je voulais les mêmes conditions pour tout le monde. Et du coup, c'est ouf, parce que moi, j'aurais... Enfin, j'étais persuadé que ils avaient les questions à l'avance. Enfin, j'étais persuadé de ça, tu vois. Non, non. J'étais en obligé fait, de. Après, je pense. Enfin, je dis pas que c'est quelque chose qui se fait jamais ou quoi, mais okay. Dans notre cas, en vrai, ils ont même pas demandé. Tu vois, si je prends le cas d'Emmanuel Macron en septembre, son équipe a même pas cherché. Alors, ouais, parce c'est pendant la rentrée, que... donc ils se doutent qu'on va parler des jeunes ou quoi. Oui. Mais ils pensaient pas forcément, ou je sais pas en tout cas, qu'on allait parler d'environnement, qu'on allait parler de santé mentale, qu'on allait parler de je sais plus quoi. Ok. Voilà quoi. Donc non, ça c'est une règle pour nous. Ok. Beau gosse. Hugo, aujourd'hui, tu as 2,5 millions d'abonnés sur la période 2017. Je crois que tu n'as pas encore atteint les 100 000. Ouais. Mais, attends, pourquoi tu parles de... Ok, non, j'ai compris. Mais est-ce que tu... Non, mais la question est importante parce que, du coup, tu commences à être... avoir de l'influence. Tu vois, est-ce que, du coup, est-ce que tu te dis, est-ce que je dois tout traiter? Est-ce que je choisis mes sujets? Là, pour le coup, tu commences à avoir... à être un média, avoir une responsabilité. Est-ce que tu penses déjà à ça? Comment ça se passe? De ouf, je pense que tu y penses dès le début en vrai parce que tu sais que ce que tu fais, enfin tu vois, si tu veux faire du journalisme, tu sais que tu dois faire gaffe à ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Après, forcément, plus plus t'es suivi, plus tu te poses des questions et plus tu te dis ok, faut que je fasse les choses bien. Et moi, dans mon cas, la réponse a été d'essayer de recruter assez tôt, genre ouais. D'avoir d'autres journalistes avec moi. Tu vois, on a 13 journalistes à temps plein dans l'équipe qui bossent sur les trucs avec moi. Bah, et ça fait 5 ans on bosse ensemble, là, c'est. Ah ouais, t'as été quoi, toi, par exemple? Bardella. Tu fais ça? Non mais c'est à mi-temps. Vous avez vu ce qu'il a dit Grim? Après vous me faites passer moi pour un mec bizarre. Regarde tous les points d'interrogation. Ah mais je t'ai imité. Ah ok. Ah bien joué. Et du coup tu continues la question? T'as mis une ambiance de merde. Ah ça a tout. Ah ça a tout niqué, j'ai plus envie moi. Mais non. Non j'ai plus envie frère. Mais là tu disais Non frère c'est bon, on fait plus d'émissions. On reviendra un peu là, plus en détail. Il fallait un paix de venir, je sais pas si pour relancer le truc. Là. On reviendra un peu plus en détail sur cette question parce qu'évidemment, tu as couvert l'élection de 2022 oui. Avec beaucoup plus de rayonnement, avec beaucoup plus d'enjeux. Mais est-ce que aussi c'est un sujet pour toi maintenant? Tu vois, une grosse audience implique de grosses responsabilités. Oui.
Oui, comme d'accord. Dit le dicton du... De... Benedjeris. Ok, je capte. Okay. Non, bah, complètement, c'est toujours le même sujet. Après, le fait justement d'avoir une équipe fait que je ressens encore cette pression-là, et c'est, je pense que c'est normal et c'est même sain. Tu vois, ça fait partie de ces trucs qu'il faut avoir, sinon tu fais n'importe quoi. Ah, bien sûr. Mais le fait d'avoir une équipe aussi, ça fait qu'on a des temps pour discuter ensemble de ce qu'on fait, comment on le fait, comment améliorer tout ça, etc. Donc ouais, non, je pense que c'est... Moi, ma réponse a été ça, de m'entourer, de ne pas être tout seul dessus. Et voilà, quoi. Ok. Hugo, avant les présidentielles de 2022, il y a une grosse période qui sera aussi synonyme de chaos médiatique, c'est le Covid. Là, tu lances un format quotidien, le point coronavirus, qui deviendra qui s'appelait à la suite comme ça, ouais. Les actus du jour. D'ailleurs, j'en profite, mais si... tu nous mets pas dedans, hein. Hugo, tu nous mets pas dans les actus du jour. Là, demain, je te dis... Demain, il va nous foutre dans les actes du jour. Paul, je suis passé dans Z. Il décrit tout avec Max. Il va nous mettre. Ouais. C'était vraiment pas prévu, les gars. Putain, quoi ? Un cadreur qui s'effondre ! Qui fait un malaise cérébral ! Non ! Allez, Steph ! Non. Il est en train de nous lâcher ! Allez, Steph ! Putain, merde ! Allez, Steph ! Ça va ? Tu l'as sauvé ! Je l'ai sauvé en direct live. Mon rêve. Non, stop. Pourquoi t'as applaudi là ? Tu m'auras pas comme ça. Je l'ai fait pour le. Non. Tout le monde l'aurait fait à ma place. Tout le monde l'aurait fait à ma place. Je connais les gestes de premier secours. Putain, c'est une séquence de dingue qu'on vient de vivre. Un animateur en live qui sauve son cadreur. Et ça, c'est dingue. On est des héros. On est des héros. Ça sera frère. Pas dans les actus du jour, mec. Force ça, pas. Putain, ça sera pas ça. Tu vas pas en parler ça, demain. Ça sera pas dans les actus. Si ça, c'est pas dedans. C'est... Ça vaut pas les actus du jour. Les actus, les actus mal, quoi. C'est vraiment pas prévu. Ok, bah tant mieux. Je voulais pas. Bien tenté, mais c'est pas prévu. Non. Eh, je voulais pas moi. Non. Mais non, t'as fait ça pour l'amour de. Pour Steph. Mais je voulais pas être dans les actus du jour. Pour le bien du cadre, quoi. Ouais. Je voulais pas être tagué sur Insta dans les actus du jour. C'était pas prévu. Ok. Vraiment bah, top pas. Alors. Bah tant mieux. Hugo. Ouais. Du coup, chaos médiatique. Covid. C'est une longue période de panique. Toutes les informations pouvaient circuler. Toi, à ce moment-là, c'est quoi ta méthode pour couvrir l'actualité, on va dire, avec le plus de neutralité possible, parce qu'on entend de tout. Une couverture assez grande qui te recouvre, quoi. Une couverture vraiment grande. C'est pas ça le ouais, c'est pas ouais. c'est pas le même mot, mais vas-y au calme. Arrange ta main. Ça marche. Et comment tu fais pour couvrir toute cette actualité médiatique de manière neutre? En fait, c'est la période. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de coronavirus, on se dit ça paraît très lointain, limite qu'on en rigole ou quoi. À l'époque, souvenez-vous, premier confinement. C'était une folie. Hein. C'est quand même une petite dinguerie. Et à l'époque, en fait, on avait un format d'actu de la semaine qu'on faisait chaque dimanche sur YouTube. Et moi, juste, j'en parle à mes équipes quelques jours avant le premier confinement. Je leur dis, les gars, là, il se passe beaucoup de trucs qui littéralement nous concernent directement parce qu'on parle de rumeurs, de rester chez nous, de bars fermés ou quoi. Ça a littéralement... Enfin, le bilan humain à l'époque est quand même colossal. Il y a des hôpitaux qui sont surchargés. Je me dis, si on fait une vidéo par semaine, juste, on va pas pouvoir suivre et voir tout ça. Et surtout, à l'époque, on voit qu'il y a plein de gens qui nous disent, attends, moi, j'en ai marre d'allumer une chaîne d'infos en permanence et de suivre un truc ultra anxiogène, de bilan qui s'accumule comme ça de mauvaises nouvelles en permanence sur une chaîne d'info H24. Vas-y, je veux bien suivre l'actualité parce que c'est important, mais je veux 10 minutes par jour et entre guillemets c'est tout, quoi. Et du coup, bah, on s'est mis à faire un point entre guillemets quotidien sur l'actualité, et au fur et à mesure, comme tu le disais, c'est devenu juste le format d'actu du jour qu'on fait aujourd'hui sur YouTube et en podcast, parce qu'on a remarqué que c'était toujours, j'étais vraiment chez moi dans le salon. Todos del día del acto. Buongiorno. Buongiorno. Il parle de trucs graves. Ah, merde. C'est vrai que l'extrait t'es pas le. Il parle de trucs graves et on fait des. Ouais. Ouais, c'est l'actu du jour, du coup. C'est vrai. Et voilà, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui t'as le sentiment qu'il y a genre une crise des médias, tu vois, genre une perte de confiance de la part des gens dans l'information? C'est une phrase de fou, ça. Non, mais crise des médias. Mais frère, c'est une vraie question. Mais quand en ce moment. Quand tu dis les médias, les journaux, t'es loche et tout. Excuse-moi, c'est ton interview, Grip. tu pourquoi tu veux du contexte? C'est pas toi qui va répondre, frère. Ah, mais tu sais quoi, je voulais m'intéresser. Bah, parlez entre vous. Moi, je m'en branle. Voilà, je te le dis, je m'en branle. Ta crise des médias, je m'en bats les couilles. Ouais, tu vois, moi j'ai lancé une game de LOL, c'est quoi? Mais amène-moi mon PC. Bon, allez, amenez-moi mon PC. Toujours article bien frais, ça vous intéresse? C'est Le Monde. Ouais, je suis chaud, ouais. C'est Le Monde, c'est Le Monde. Ah, moi je kiffe, c'est Le Monde. Moi j'essaie de m'informer tous les jours, etc. Et tout. Oh, il a oublié ses billets. Attends, c'est le. Ah, t'es. Ouais. Non. Non, c'est un journaliste. Les bâtards. Quoi? Ils m'ont mis direct dans la. Ils m'ont mis dans la couve. The World. Ah putain, mais si avec ça, je suis. Attends, mais tu vas me foutre dans les actus, c'est sûr. Ils en parlent direct sur Le Monde.
Dans une scène digne des plus grands films d'action, l'animateur vedette de l'émission Zen sur la chaîne nationale a réalisé un acte de bravoure saisissant en sauvant l'un de ses cadres d'une chute imminente en plein direct alors que l'émission battait son plein. Invités prestigieux, public enthousiaste. Oh, ils ont tout dit, on les gars. On comprend pas le choix éditorial là, c'est un vrai journal ? C'est le Monde. Ah non, mais c'est le journal monde. Le Monde. Regarde, par exemple, carrément derrière, il y a Dali. Attends, regarde. Tu connais Salvatore Dali ? Ouais. Ok, regarde. La peinture, c'est une œuvre d'art. T'as allé voir le film, toi ? Non, je l'ai pas vu encore. Regarde, regarde. Mais juste. La peinture, c'est une œuvre des enfants qui aiment faire des peintures. C'est raciste, c'est raciste. C'est racisme. C'est raciste. Il copie un accent. Il y a un poil sexiste. Ouais. Ah, ouais, ouais, oui, oui. Non, mais il a tout, ce mec. Il cumule tout. Non, mais je pense que c'est une erreur éditoriale de leur part. Hein. Ça mal renseigné. En vrai, je pense que ça peut. Là, tu parlais de crise de la presse, en voilà un, quoi. Ah, ok. C'est vrai, ça pue comme étant en actu. Voilà, c'est même pas le bon cadreur. C'était pas ce cadreur, je crois. Si, c'est lui, c'est Stéphane. Je suis à peu près certain, pour des raisons évidentes, que c'était pas lui. Ouais, c'est Stéphane, mais... Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bonnet. Ouais, c'est pour ça, il n'y a pas le bonnet, mais... C'est juste parce qu'il n'y a pas le bonnet, mais... C'est juste le bonnet ? C'est juste le bonnet. Ok. Ouais. Hugo ? Bon. Est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui une crise des médias ? Moi, je sais de quoi je parle, parce que j'ai quand même fait une école de journalisme. Toi, Grim, t'as fait quoi ? Ah oui, c'est vrai, la même école qu'Ecrisio. Hugo, il y a une crise des médias. C'est quoi l'école d'Ecrisio ? T'as juste lâché ça comme ça ? Ouais. Non, mais il a rejoint l'école après et je donne pas de buzz à mon école. Je donne pas de buzz. Ah ouais, carrément, t'es en clash avec l'école. Ouais. Ça, c'est parce que t'as pas eu ton année. Hugo, il y a une crise des médias. Mmh. Tu penses ? Il y a une. Non, mais je pense que juste. J'ai raté. C'était un faux du coup. Il nous fout pas dans les actus du jour, ça raccroche le bien. Salvador Zaknani, ça marche pas. Il y a rien. Il y a rien, c'est vite, frère. J'espère que t'es perma. Putain, vraiment. Eh, mais t'es le VIP, celui-là. Pourtant, c'est la blague qui m'a fait le plus rire depuis le début. Ah, carrément. Okay. On a beaucoup de brainstorm. On a 50 minutes, c'est chaud. Ça fait deux semaines qu'on bosse sur l'émission. Mais ok. Je prends bien. Pas de soucis. Donc, décrypte. Bon, on pose la question. Bah ouais, on parlait de la crise des médias. Oui, je pense que juste nos façons de suivre du contenu, que ce soit de l'info, du divertissement ou quoi, ça change. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai lancé ma chaîne sur YouTube, tu vois. Ouais. À l'époque où il y avait plus des médias sur Facebook que sur YouTube, moi je me suis dit, bah non, je passe du temps sur YouTube, je vais lancer une chaîne sur YouTube. J'ai dit YouTube 10 fois. Donc il y a une crise, oui. Après, tu vois, tu as des médias, je pense, qui vont réussir à faire cette transition vers les réseaux sociaux, d'autres moins. Et voilà quoi. Je comprends, parce qu'en plus, moi récemment, j'ai vu Miroir de Tarkovsky, et c'est vrai que vraiment. Dans le format, en fait, il y a une manière de raconter des souvenirs qui fait que c'est très disparate et comme des souvenirs, c'est des bribes très mélangées. Bah, ça me fait un peu comme la crise des médias actuelle, quoi. Justement, en 2019, tu avais débattu sur France 2 avec Marine Le Pen au sujet des fake news. Mmh. Comment tu t'es retrouvé sur ce plateau ? Est-ce que c'est toi qui avais choisi le sujet ? C'est moi qui avais choisi le sujet. Ouais. En fait, France 2 me contacte, enfin, France Télévisions me contacte en me disant. Il est grincheux à droite. Tu vas tu vas le perdre de quelqu'un. Ah non, calme. En me disant, on suit ce que tu fais sur YouTube. Ça t'a fait rire qu'il est vanné ? Mais regarde, ouais, il veut pas sourire l'autre. D'un côté du go décrypte, toi. Il a peur de. Il est en face de Marine Le Pen surtout. Ouais, il a peur de se faire des bugs. C'est pour ça il est grincheux. Il veut pas se faire des bugs, frère. Je comprends. Et ils me disent voilà, tu peux potentiellement avoir 10-15 minutes face à Marine Le Pen sur le sujet de ton choix. Et du coup, j'ai été face à Marine Le Pen pendant 10-15 minutes sur le sujet des fausses informations. Mmh. Et donc voilà, c'était un échange assez tendu. Mais surtout à l'époque, j'étais un peu fou pour dire oui. Avec le recul, même mes potes me l'ont dit. Mon pote m'a dit en vrai. On t'a pas déchauffé, mais on se disait dans quoi il s'embarque. Parce que c'est vrai que j'avais quasiment pas fait d'interview de politique avant. Et le côté télé, c'est quand même un autre. Parce que t'as vite la possibilité de. Vu que c'est des gens qui ont l'habitude, qui font ça souvent et tout, de te faire manger, de te faire retourner un peu le cerveau. Ils savent comment manier un débat et tout. À part si un cannibale sur le plateau, il se fera pas manger. Ou Fabien Olicard, parce qu'il peut clairement te dire tu dors. Chut. Je rigole, frère, je sais pas le faire normalement. C'est du scénario. Donc ouais, je comprends. Et t'as quand même choisi ce truc. Non, mais surtout que ce truc-là, enfin pour ceux qui l'ont vu ou même ceux qui l'ont pas vu, c'était pas vraiment une interview, c'était pas un débat non plus, mais c'était un truc quand même où je venais avec un sujet en mettant en avant le fait que je sais plus quel était le sujet à l'époque, mais de fait, elle avait relayé comme d'autres politiques, hein, mais elle avait relayé des fausses informations. Oui, et elle nie le truc, et donc ça rentre quand même dans un débat. Et donc c'était un peu, c'était quelque chose, mais ça s'est bien passé.
si on peut dire ça comme ça. Et ouais, non, écoute, c'est le genre de choses où je pense, heureusement, que tu te poses pas trop de questions avant de le faire. Ouais, et avec du recul, tu le referais maintenant ? Tu arriverais encore maintenant ? Ou est-ce que t'es plus armé ? Ou est-ce que maintenant que tu sais comment ça peut se passer, tu réfléchis à deux fois ? Je pense qu'aujourd'hui, juste, on a plus de temps pour préparer. Enfin, là, en l'occurrence, j'ai beaucoup préparé ouais, ce truc-là. C'était 10-15 minutes où je savais de quoi j'allais parler, etc. Et juste aujourd'hui, sur les interviews, je prends le cas de l'interview d'Emmanuel Macron en septembre. Bah en fait, on vient en se disant, ok, on veut parler de ça, 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 ça. Tu crées une forme d'arbre de réponse. Ouais, je sais pas si c'est clair, mais en gros, tu dis, ok, on veut parler de ce sujet-là. Il risque de dire ça. Ouais, tu risques de dire ça. Tu sais que ça, c'est potentiellement faux ou alors c'est pas tout à fait juste. C'est comme donc des 3 become human. Ouais. Comme quoi ? Comme des 3 become human. C'est vrai, comme Matthew Down. Un arbre à choix. Exactement. Tu choisis. Exactement. Et du coup, bah, c'est, en vrai, c'est du taf, mais c'est encore une fois le fait d'avoir une équipe qui aide aussi à taffer au mieux le truc, à être exigeant sur le jour J et voilà quoi. Ok, ouais, je capte, Hugo. Est-ce que, suite à ça, alors pas cette interview en particulier, mais comme tu interviews des gens influents, des gens qui ont du pouvoir, qui ont un souci d'image, en tout cas qui veulent avoir la meilleure image possible, est-ce que tu as déjà reçu des menaces, des intimidations suite à, tu vois, des choses que tu aurais pu dire, des interviews qui se sont mal passées, surtout que toi, tu es quelqu'un qui dit les termes. Ouais, voilà, tu es un peu plus gros que tu décryptes. Voilà. T'envoies quoi. Je ne serais pas dans les actus. Hein. Essayez pas de... Non, on ne veut pas les actus, nous. Non, mais c'est juste que ça a l'air très dans les éloges de... Voilà. MDR. Lol. Ok. Ok. Non, du coup, est-ce que j'ai reçu des pressions de politique ? Franchement, jamais. Mais je pense qu'il y a un truc où c'est assez. Ce serait très malvenu et un peu risqué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu fais ce genre de truc. Tu sais que, en vrai, moi, les interviews politiques, c'est 5% de ce que je fais sur ma chaîne. Ouais. Tu vois. C'est vraiment très, très rare. Depuis l'interview de Macron en septembre, on n'a pas fait d'interview. Et avant ça, c'était la présidentielle. Donc, en fait, si je le fais, c'est avec mes conditions. Et ils savent aussi que s'il y a un truc qui est pas normal, pas acceptable ou ce genre de coup de pression, franchement, j'ai aucune gêne à en parler, tu vois. Ouais, enfin, là, ils ont tout à perdre, en fait. C'est ça. Et donc, je pense que ça fait que non. Mais du coup, j'ai même pas eu de trucs très croustillants à raconter de ce point de vue-là. De quoi ? Ça peut commencer, hein, les coups de pression. Ah, tu es là ? Tu le menaces ? Ça peut commencer. Mais Grim, c'est... Bonsoir. Oh, quoi ? Nous interrompons notre programme car l'info nous avons coupé les oreilles. Maxime Gadji ne paye pas ses équipes. Non. C'est alors fichez un message adressé à vos... Enlève ça, frère. Changez très vite la situation, sinon ceci est le dernier zèle de la saison. C'est pas vrai. T'as raison. Profite également pour souligner qu'une personne dans le public est très embêtée ce soir. Et il suffit parfois de lever les yeux pour trouver l'amour. Mais c'est quoi cette merde ? Qu'est-ce qui se passe ? Tiens également à lui dire que si après l'émission, nous aurons... Je me suis pris des menaces là. Wesh. Attends, c'est chaud, frère. C'est Anonymous là. Oh. Frère, on vient de se faire attaquer par Anonymous en live. Oh, oh. Des problèmes. Ils ont hacké la Grim. Non, c'est la Flop Tower. Ils ont c'est la Grim Tower, ça. Ouais. Ouais, t'es dans la merde, gros. T'es dans la merde. Gros. En plus, ils ont dit des fake news. Tu vois, on parlait des fake news. Ils disent, paye pas les équipes. Je vais rien débunk, hein. Je vais te laisser dans ta merde. Ah ouais, tu te débunk pas ? Ah ouais, je pensais que t'allais pouvoir débunk un truc. Bah pourquoi débunk la vérité ? Hugo Décrypte, c'est un média ? Oui. Ou c'est toujours un créateur de contenu ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Comment on s'organise ? Ouais. C'est plus Hugo, plus Décrypte, quoi, j'allais te dire. Ah, c'est Décrypte Hugo qui Hugo. Hugo qui Décrypte. Ouais. Écoute, c'est un peu les deux à la fois. Écoute, je pense que les gens aujourd'hui savent que j'ai une équipe. Savent que d'ailleurs je suis pas le seul à présenter des actus sur TikTok ou sur YouTube, hein. Donc ça je pense qu'ils le savent, ils le voient, donc ils voient qu'en vrai qu'on a un média aujourd'hui, mais moi je reste quelqu'un quoi, enfin c'est bizarre dit comme ça, mais voilà quoi. T'es tout seul à choisir les sujets par exemple ou est-ce que c'est... Non, mais parfois il y a des actus ou des trucs, moi il y a des choses que je choisis toujours, les actus du jour, ce qu'on met à la une ou des trucs comme ça, il y a d'autres choses, j'ai pas le temps de le valider ou de le voir, donc c'est l'équipe qui gère et après on en reparle ensemble. Genre tu te mets en actu, t'es bron sur Valo là. Ah ça c'est dans les actus. Ouais, voilà. Mais pourquoi t'as dit que j'étais bon, je suis pas bon. T'es quoi? Je suis bon. T'es bon sur Valo. Hugo. T'es quoi? Fer 2. T'es Fer 2? Non. Je suis abominable à Valorant. Ouais. Et moi je joue à LoL moi. Moi Valo? Après je joue peu mais. Je joue pas. Tu joues pas? Non. Faut qu'on joue. Moi c'est que LoL moi. Ouais. Moi c'est que League of Legends et là je te jure que je suis retombé dans la boucle où genre je peux plus. Je suis retombé dans la merde, t'étais très mauvais. Gros je ne peux plus penser à autre chose qu'à League of Legends. Pareil avec Valo. Mais c'est vrai, en vrai, il y a un vrai. C'est un vrai truc. Hein. C'est un vrai problème. Je te jure que je veux rentrer chez moi et jouer à. Bah, on va faire le live si tu veux. Hein.
Non, après quand même. Parce que là, il y a les pubs, il y a les subs et tout, c'est bien. L'amour du métier. Moi, je trouve ça beau d'être autant passionné par un jeu alors que t'es mauvais au jeu. Tu parles de qui, là? Vous deux. Parce que moi, tu vois, par exemple, personnellement, j'étais diamant la saison d'avant. Là, actuellement, je suis émeraude 2. Donc, je peux apprécier le jeu, je peux être... Je suis à mon niveau, tu vois, je suis grand. Alors que toi, t'es quoi? T'es bronze, toi, t'es silver. Bronze 3, quasiment. Bronze 3. Alors que moi, tu vois, moi, je suis bon à mon jeu, je capte ce qui se passe, C'est pour ça que moi, je suis passionné, mais bon, je trouve ça beau. Ok. C'est cool, tu vois. Hugo, on aurait vraiment pas les actus du jour, hein, ça c'est sûr. T'es un bâtard, frère. Ah, là, c'est la goutte du vase de l'eau, tout ça. Hein. Tu nous as niqué le truc, là. Pardon. Hugo, en sortie de Covid, on arrive à l'élection présidentielle 2022. Et oui. Là, on le disait, t'es désormais dans un autre niveau de décryptage. Là, t'es le Decrypt Master parce que ton rayonnement, il est plus grand, tu reçois l'ensemble des principaux candidats. À ce moment-là, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui passes directement par les cabinets pour caler les interviews? Comment ça se passe concrètement? Comment on reçoit les candidats à l'élection présidentielle? C'est mon équipe qui gère. Je parle beaucoup de mon équipe, mais en l'occurrence, c'est vraiment mon équipe qui gère. Moi, je voulais pas avoir de contact avec leurs équipes, okay, ou même avec le candidat, avant de commencer une interview. Ouais. Ah ouais, pour parce qu'au moins, plus... ça crée une forme de distance, et j'étais en mode... Bah, et donc, typiquement, tu vois, le jour de l'interview, lui, il venait, il se maquillait, je sais pas quoi, ils avaient l'horloge, quoi. Et moi, je restais sur le plateau jusqu'au moment où l'interview démarrait. Ah ouais, tu t'es imposé cette exigence-là pour pas que tu puisses avoir de l'affect ou je sais ouais, pas. Ouais, ou je sais pas. Enfin, tu sais jamais, je me dis en fait. En fait, tu vas le voir, il va dire putain, il est trop mignon. Il est beau gosse. Je change tout. Voilà. Je change toutes les interviews. Non, mais tu vois, et du coup, comment ça s'organise? En vrai, franchement, en 2022, les candidats c'était beaucoup plus facile de les avoir qu'en 2017, c'est normal. Et tu vois, sur les conditions qu'on fixait, sur le fait de pas avoir les questions, que ce soit c'était le même temps de parole pour tout le monde, sur tout ça. T'as très peu de candidats qui ont refusé. Et du coup, on a pu le faire à quasiment tous les candidats. Ok. Il y a des candidats qui ont refusé? Il y a Valérie Pécresse qui avait le Covid. Ah. Voilà. Donc après, on n'a pas recalé. Elle était occupée à monter le prix des Navigo, je pense. Et des tickets de métro aussi. Dénonce. 2,15. Ça sert à rien de mettre à 2,15€ le ticket de métro. C'est chiant. Putain, mais frère, t'as tellement dit les termes. Non, surtout par contre, moi, je suis plus étudiant depuis cette année. Le Navigo, il est à 900 balles, frère. Parce que tu vois, quand tu fais 300 euros l'année, pour toute l'île de France, ça va. C'est 75 le mois? Non, c'est 60 le mois. J'étais pas bon en maths. 900 l'année, c'est trop. Il y a des métros, ils galèrent. Ils sont pleins et ils galèrent. Baisse les prix. Bah, je pense que là, les gars, à partir de demain, le ticket de métro, il va baisser en chute libre. Je pense que le message est passé. Hein. Moi, je pense qu'on fait. Tu devrais être président, carrément. Franchement, ouais. Tu devrais être président, frère. Franchement, tu pourrais être président. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, franchement, ouais. Mais le chat, vous votez ou pas en vrai? Non, moi je pense qu'il peut être président, frère. Franchement, Grim 2027. Mais oui, frère, large. Dans toute cette série d'interviews, t'as pas fait Macron. C'est parce qu'il était encore en fonction? Non, c'est parce que justement, il y a certaines conditions qui. Ok. Oui, ça a tenté un peu de. De voilà, faire des. Magouilles. Bah, non. Des petites. Voilà. Ok, des petites. Il y a que des oui, ça fait plaisir, les gars. Non, ça vraiment rigole. Pas. On est dans la merde. Ah. Ah ouais. Ah. Les métros galèrent, il a dit MDR, il sait même pas parler français. Il y a un mec qui l'a dit, 12 euros à BX, on est bien. Frérot, toi déjà, t'as le seum. Palmarès de BX, Angèle et Damso. Voilà. Et sinon, le bah, reste... raciste, t'es vraiment raciste. Parce que tu vois, moi à la limite, j'ai fait une blague has-been, mais toi, t'as vraiment dit, la Belgique, c'est deux personnes. Alors qu'il y a l'Atomium, il y a Cite-moi le nom du président belge. Alors déjà, c'est un roi. Putain, je pensais que t'allais... Ah, putain. Déjà, c'est un roi. Ah, tu m'as eu. En période de campagne, en TV... Et c'est le roi belge. Et radio, c'est le roi... Belge. C'est The Rune King, comme dans LOL. En période de campagne, en TV et radio, il y a le... Diego, il y a le temps de parole comptabilisé. Pour le coup, comment ça se passe sur Internet? Il y a un flou juridique. Ouais, il y a un flou juridique, mais en gros, tu fais ce que tu veux. Si tu veux recevoir un seul candidat pendant 3 heures, puis 0 candidat, enfin, tu fais ce que tu veux. Tu penses que ça va bouger? Je pense pas que ça va bouger pour une raison assez simple, un peu technique, un peu chiante, mais un peu intéressante. Sympa quand même, moi j'aimerais bien savoir. Si, en gros, le temps de parole à la radio ou à la télé, comment ça se passe? L'idée c'est de dire, il y a une période où c'est le même temps de parole pour tout le monde. Le problème c'est que, à la télé, sur internet, sur YouTube, en fait, c'est pas une question de durée de temps de parole, c'est une question de portée du contenu. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est trop dur à calculer. Même moi j'étais intéressé. Mais gros, j'étais en plein dedans. En plein décryptage, les gars. Mais décrypte ça. Bon, les gars. Pull up. Parce que même moi j'étais en mode. J'étais à fond dedans. J'envoie une vache. Non, j'écoute, c'était intéressant. J'étais à fond dedans. Parce que c'est vrai que. En plus, c'est pas que tu disais, mais en vrai, genre là où la télé, tout, t'as les délais en mode. C'est à 16h. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo.
J'imite là. Ouais, reprends, pardon. J'imitais Grimm. Ah. Tu vas prendre un coup à Scooby Snack. Yo. C'est mon signe de. On fait jamais ça. Le signe de quoi? Bah ouais, c'est le signe de quoi? Ah, l'émission comme ça? On se met jamais comme attends, ça. Attends, vas-y, remettez le plan sur Hugo du coup. La cam sur Hugo. Ouais, c'était bien ce que c'est je pensais. C'est bien, il y a peut-être une raison. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pour ça peut-être qu'on le fait pas. De quoi? Bah, c'est-à-dire que là, si on. Ouais, c'est voilà. Ouais. C'est un peu. Ouais. Ouais, c'est. Mais on voit là! C'est pas mal. Pardon Hugo, reprends ton explication. Non, ouais, vas-y, pour le coup, était ça très intéressant. Vas-y. Et du coup, en fait, le sujet, c'est que bah, le temps de parole en télé, tu peux le compter assez facilement. Sur Internet, c'est très différent. Tu prends même un article écrit, est-ce qu'il est diffusé ou pas? Est-ce qu'il est visible ou pas? La portée, c'est la question de la portée qui joue beaucoup plus que la question de la longueur d'une interview, par exemple. Et donc, parce que c'est compliqué à jauger, on a décidé de dire, bah, tout le monde fait ce qu'il veut, bonne chance. Je pense que c'est sans fin, exactement. Comme je te le montre sur ce graphique, tu vois, en fait, il y a un truc où... Ah ouais, imagine le temps de parole. Ce que montre Hugo, c'était super intéressant, les gars. En fait, sans ça, je pense que tu comprends pas le sujet. Ouais. Si tu montres le temps de parole qui fait comme ça, et qu'en même temps... Il y a Gotel en master kill, gros. Attends, si tu peux enlever le son. Il y a Hugo qui parle. Il montre un graphique de fou. Je montre un truc grave important. Vas-y. Ouais. Juste pour que les gens voient bien. Donc ouais. Là, vous voyez, ok, la caméra. Okay. Concentrez-vous, les gars. Si en gros, le temps de parole, il fait comme ça. Ouais. Mais qu'en même temps, en fait, typiquement, t'es en live sur Twitch. Ouais. Bah, en fait, et que le live, il est poussé à fond, ça va pas compter, tu vois. Bah oui. Le temps de parole, il est. Bah oui, je capte. Enfin, voilà. Après, je pense que c'est plus clair avec ça. Ah, bah, avec le graphique, on a tout compris. Avec le graphique. Désolé pour ceux qui. Ouais, sans le graphique, on comprend rien, mais avec, c'est j'ai capté. Je viens prendre tout l'argent. Quoi? Attends. Oh non, mais encore un fait divers sur mon plateau. Mais c'est quoi? Je vais faire les actus du jour toute la semaine ou quoi là? Allô mon grand. Allô. Oui. Allô mon grand. Attends. Allô mon grand. Ça... Oh putain, oh. Frère. Ça marche comment cette? Allô. C'est on et off, frère. C'est un braquage, j'ai dit. Ouais, allô, mon grand. Oui. Ça va? C'est mort. J'ai décidé de braquer la banque. Tu ne pourras jamais m'empêcher de commettre un vol énorme. Allez, prenez tout, videz les coffres. Arrête ça! Mon gars, comment tu t'appelles, mon gars? Je peux t'aider? Je m'appelle Daniel. Comment ça, tu peux m'aider? Je vais t'aider à... Ah, que tu braques pas la banque, je vais t'offrir un emploi. Je suis un simple présentateur sur internet qui peut t'offrir des emplois. Avec cette tenue, il aide personne. Hein. C'est vrai? Oui. Tu ferais ça? Oui. C'est incroyable, j'accepte. Tu sais vraiment trouver les mots. Tu auras pas un animateur qui empêche un braquage en direct, tu feras sûrement la couverture de tous les magazines d'information. Il y aura. Et même des actus du jour d'Hugo Décrypte. Allez, je me rends. Non. Je fais pas ça pour ça, mon gars. Au revoir! Il n'y aura pas d'actu, les gars. Non seulement il n'y aura pas d'actu, ça m'a fait extrêmement mal aux oreilles. C'est trop bizarre ce truc d'actu. Mais frère, c'est moi ou t'as la main sur le cœur? Non, t'as la main sur le cœur, gros, j'aime pas qu'on parle de ça. Non, je suis pas là pour parler de ça, les gars. Les gars, il n'y aura pas d'actu. Là, vraiment, ça, y a aucun moyen. Y a aucun moyen. Allô, la nouvelle vient de tomber. Maxime a pris l'avion, le jet privé pour aller voir sa grosse daronne. Encore. Elle est pas grosse, frère. Non, mais ça, ce sera dans les actus. Voilà. Celui-là, c'est dans les actus. Non. Le reste, il sera pas. Oh, pertinent pour une fois. Allô, la nouvelle vient de tomber. C'est trop bien, mais pourquoi on a pas tout ça? Pourquoi on a pas tout ça dans la rue, genre? La nouvelle. Oh, ouais, ils l'ont coupé à distance. Ah, y'a un mec qui gagne. Ça fait mal. La nouvelle vient de tomber. Terroriste super moche. Je retire, il n'y aura pas d'actu. J'ai changé d'avis. Mais voilà, voilà. Mais wesh, d'où il se lance de là, frère? Bon, est-ce que le fait de participer à impliquer les jeunes dans la vie politique, c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que c'était l'un de tes buts quand t'as commencé à décrypter? Clairement. Impliquer dans la vie politique, je sais pas, mais en tout cas, s'intéresser à ces sujets qui, de fait, nous concernent tous. Réponse très premier degré. Mais oui, c'était clairement l'objectif au départ de me dire... Certes, ça peut paraître lointain, ça peut paraître chiant ou quoi, mais c'est important. Et qu'est-ce que... Quoi, c'est quoi? Ah, chiant, j'ai donné une image de fou. Non. Et non. Non, non, j'allais... Je cherchais le mégaphone. Je viens de donner... Très non. Non. Il était juste à tes pieds, mec. Non, je cherchais le mégaphone. Il veut. Je cherchais le mégaphone. Il veut. Ça aurait pu durer deux secondes. Non, non, mais putain. Il veut. La nouvelle vient de... La nouvelle vient de tomber.
là, il fait genre, il veut l'utiliser pour faire genre, c'était mais pas. Mais oui, frère, il est. La nouvelle vient de tomber, personne t'a écouté, Hugo. Personne n'a écouté ta réponse, Hugo. Je s'envoie les couilles. C'est quoi pour toi le moment le plus marquant que tu as eu l'occasion de vivre professionnellement? Le plus marquant, je pense que c'est les formats de reportage qu'on a fait. Oui. C'est plus ça. Avec les francs-maçons. Oh, ça, c'était il y a longtemps. On a fait des trucs comme ça. Hein? Tu. Quoi? Avec les francs-maçons. Moi, je connais pas ce que c'est. Ils ont des signes entre eux, des fois, je crois. Ah ouais? Mais du coup, enchaîne, la question. Ouais, question et du coup, non, mais plus récemment, on a fait un documentaire en Ukraine, par exemple, qui était fort à faire. On a fait un truc en Amazonie aussi, ça c'était il y a 2-3 ans. Un docu en Amazonie, on s'est retrouvé au fin fond d'une forêt amazonienne pour voir en fait des gens qui ont été touchés par la déforestation et tout sur place. Et globalement, tout ce qui est reportage, c'est là où t'en ressors le plus parce que tu vas avoir des gens qui parfois parlent pas à des médias alors qu'ils ont une histoire, un truc à raconter qui est fort. Et ça, du coup, on a prévu pas mal de reportages et de choses à l'avenir comme ça. Comme on a fait même sur les agriculteurs il y a quelques semaines. Donc, t'as fait aussi en Papouasie, au Kyrgyzstan et t'es parti comme ça avec Mike Horn aussi récemment dans les glaciers. T'as fait. Là, tu confonds là. Tu te trompes de blanc. C'est l'autre gars. T'as dit de blanc. Quoi? Non. Comment ça se passe juste interviewer un président en fonction. Voilà, comment ça se passe? Là aussi, pas de questions à l'avance, toujours les mêmes trucs. Il n'y a rien qui change. Pas de questions à l'avance, en direct en plus là. Donc là, cette petite dose de stress. Je pense qu'on le voit au début de l'interview. Je pense qu'on voit. Moi, je sais que quand j'ai revu l'interview une fois, je me suis. Parce que t'as une responsabilité. Moi, j'analyse en fait, dans tes mouvements, il y avait la transpiration des tibes. Tu vois, je suis comme Fabien Olicard, tu vois, en fait, je vois les. Ah, tu voyais. Mais Fabien Olicard qui a fait une vidéo d'analyse de l'interview. C'est vrai, mais il l'analysait du coup. Il a pas décrypté, mais il l'a. Il a pas analysé. Ouais. C'est pas le même job. Ouais. Et du coup, non, écoute, sinon, même principe, juste on a eu 3 jours quoi, pour préparer l'interview. Donc c'était intense. Ouais, c'est très court, ouais. Et c'est un speedrun de préparation. Et puis non, c'était un gros taf et c'était important de le faire, je pense, parce que les sujets étaient importants et on a essayé d'être le plus exigeant possible dessus. Donc voilà quoi. Alors là, on va rentrer dans des questions, moi, que je me suis posée vraiment pour de vrai. C'est un peu une question de con, mais comment tu gagnes ta vie? Parce que Hugo Décrypte, c'est un média, ça embauche 13 personnes, donc ça fait 24. Beaucoup. 24 personnes. 13 journalistes, mais en tout, il y a 24 personnes. Ouais, je cherche sa vie, hein. 24 personnes, donc beaucoup de gens à payer, etc. Mais tu ne fais pas d'OP sur les vidéos. Parce non. Que l'OP Macron, frère, t'as interviewé le président. mais à un moment, cales, à une 32... Tu cales une rhinoshield, tu cales une coque, frère, tu cales une fondère. Dans l'interview, il fait « le ballon, c'est pour vous, les enfants !» Il a fait une promo pour les ballons. Ouais. Le ballon? Wesh. Ah, mais c'est Max, il connaît. Ouais, je connais bien. Le ballon? Non, bah le ballon d'eau chaude, c'est pour. Ah, le ballon d'eau chaude. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le ballon. Disait. Tu le. C'est ça qui disait. Ouais, ballon d'eau chaude. Ouais. Comment tu finances tout ça? Écoute, assez simple. Premier truc, monétisation des vidéos, donc les pubs avant les vidéos. Et vu qu'on fait une vidéo par jour sur YouTube, bah mine de rien, je vous laisse faire le calcul. Hein. Ça fait 1 milliard, les gars, pour ceux qui demandent. 1 milliard, grosso modo. Une vidéo par jour, ça en fait 30 ou 28. En février, peut-être 29 qu'on en a peut-être dit. 29 quand on en a dit, c'est cool, exactement. J'ai la rêve. Ça peut faire environ 365 vidéos par an, quoi. Et du coup, ouais, ok, c'est comme et ça. Et donc ça, monétisation des vidéos, pareil, tu as sur TikTok, sur les réseaux, tu connais. Et partenariat qu'on peut faire avec des marques ou autres. Et donc là, c'est pas géré par les journalistes de l'équipe, évidemment, c'est géré par une équipe commerciale en interne qui gère ça. Et donc, c'est des contenus qu'on peut voir de temps en temps sur notre compte, quoi. Ok. Voilà, des posts avec une marque ou quoi. Enfin, tu connais, c'est oui, c'est ok. Écrit, quoi. Hugo, toi, tu connais hein, les opus, tu connais. Hein. Oh, t'en fais plus que moi. Hugo, t'es aussi entrepreneur en 2020. C'est bon, les sponsors Adidas, là, ils ont duré 12 ans. En 2020, t'as fondé une agence. Une agence d'influence avec Micode. T'as remporté le free. Le free? Le free Forbes Under 15. Mais j'ai quitté l'agence, je sais pas si t'as... Parce que on m'a dit qu'il avait écrit ça sur Wikipédia. Merde. Et c'est pas à jour. Ah merde. Putain, là. Donc faut... Oh, la brouette. T'es journaliste ou tu l'es pas en fait? Ouais, tu fais mal. Je viens de me faire encrypter. Mais en plus, tu l'as quitté en plus. T'es recrypté. Tu l'as quitté en mai 22. Bah exactement. Mais toi, t'es journaliste. Ah ouais, bah ouais, voilà. Tu viens de me recrypter, frère.
Ah voilà. T'as remporté le Free Forbes des Underfront. Le Free Forbes, ouais. Le Prix Ford. Le Prix Ford. Force Focus. Le Prix Ford. Le Prix Ford en 2023. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans lesquels tu voudrais investir? Est-ce que t'es un peu, tu vois, à l'affût des trucs? Franchement, ouais. Faut que je investir, je sais pas, mais je suis à l'affût de plein de trucs. Et s'il y a des projets à faire et à. Moi, ça peut m'intéresser de voir des trucs ou. Ouais, en général. Eh bien, ça tombe super bien, Hugo, parce qu'il y a deux investisseurs, des gars qui ont faim, des gars qui ont la dalle. Et qui viennent te proposer un projet. Ils sont deux, faut que t'en choisisses un à la fin, peut-être. Tu peux repartir avec une partie de leur capital. Okay. Qui sera l'associé d'Hugo Décrypte? C'est tout de suite. On a deux projets qui se lancent. C'est parti. Oi, oi, oi. Wow. Hello, what's up? Ça va, les gars? Ça va, guys? Ok, salut, moi c'est Damien. Bon, vous pouvez m'appeler Dame, hein. Y a salut, pas de Dame. Salut, Dame. Nickel, bon, moi j'ai un projet à vous proposer. Voilà, je suis sorti d'école d'HEC Paris là, 5 ans. T'es obligé la chemise ouverte comme ça, ouais, chef? Ouais, t'inquiète. Ça marche. Et donc je viens de sortir de mon projet, j'ai une idée révolutionnaire, voilà, qui va totalement révolutionner le marché. Une idée pour les gamers, les gamos, les geekos. Et moi, ça me correspond totalement en fait. Tu joues toi? En fait, moi je suis un grand joueur, moi je suis un geekos. La dernière fois, j'ai passé 10 minutes sur le jeu des pastèques là, les couilles. Incroyable, génial. Et puis aussi TikTok, je suis vachement sur les trends. Bust it down. C'est quoi cette trend, chef? Hein? C'est le buzzcut? C'est un truc, non, c'est les trucs sympas. Ouais, c'est les danses. T'es dans les réseaux, quoi. T'es sur les réseaux? C'est du game. Et voilà, moi, l'idée, c'est vraiment de donner un produit aux gens, aux gamers, qui méritent, en fait. Parce que voilà, vous voyez les Karmine Corp, ils vendent leurs trucs comme des petits pains, les gens, ils regardent même pas ce qu'ils achètent, hein. Bon. Bah t'as des trucs à pouvoir. Ouais, moi j'ai un truc, moi c'est un. En fait c'est des t-shirts, donc je vais vous les montrer. C'est un t-shirt déjà premier League of Legends. D'accord, voilà. C'est pas du donc tout. Là, c'est ouais, League of Legends, ouais. Donc là c'est le jeu League of Legends, c'est un super jeu, ça parle à tout le monde. Ouais, y a un bras en plus. Et ensuite. Le bras c'est pour? Il y a un jeu pour Minecraft. Voilà, Minecraft. C'est pas du tout le gars. C'est pas du tout les bonnes slides. On est sur Twitch. Twitch, c'est en plein essor, hein. C'est totalement hamster. Donc il faut totalement le. Le bras c'est pour. Le bras c'est pour la souris, sinon ça gêne. Ok. Ah ça gêne la souris, ça gêne ici? Ouais, ça gêne. Ok. Bah si t'es un right gamer, tu l'as eu. Quelle est ta proposition? Qu'est-ce que t'attends d'Hugo? Moi l'idée c'est que j'ai besoin de 300 000 euros, voilà, pour 3% de capital, parce que j'ai déjà 3 sponsors. Donc, ok, Valo, ok. Ça fait une grosse valo ça. C'est une belle valo. À 10 millions, voilà. 3%? Ouais, c'est ça. Putain, t'as calculé en 10 secondes une valo à 10 millions, il a dit, en 10 secondes. Okay. Pendant les répètes, t'as cherché pendant attends, une heure. Mais attends, t'as trouvé déjà la valeur totale? Mais attends, mais comment c'est possible? Frérot, mais tu sais que je ne savais toujours pas moi encore. Pendant les répètes, t'as cherché pendant une heure. Je peux aller me prendre un café? Tu peux prendre un kawa et on va voir le candidat suivant. Allez, merci. Hein, ciao, ciao à tutti. Casse-toi. Bon, grosse valo, hein. Grosse valo, c'est en plein essor. Grosse valo, j'ai toujours pas compris le bras. Ça, j'avoue, il m'a perdu. C'est pour la souris, je crois. De quoi? C'est pour la souris? C'est pour la souris? Okay. On peut accueillir le deuxième investisseur. Qui sera l'associé d'Hugo Décrypte? Là, il y a un deuxième investisseur qu'apparemment il arrive, il a faim, il a des crocs. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à tous, messieurs. Voilà. Aujourd'hui, je suis très fier de me retrouver devant vous à présenter mon invention. Je suis là pour aborder les vrais problèmes, pas comme l'autre candidat qui est venu me présenter ses conneries. Ici, on n'est pas des... Hein? Mais pas des malfrats, je sais pas quoi, hein. Alors, je suis très fier. Oh, putain de merde, attendez, excusez-moi. Non mais dis-nous tout, comment tu t'appelles? Aujourd'hui, je suis très fier. Alors, je m'appelle Daniel pour commencer, bien sûr, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, Daniel. Je vous présente mon émotion. Deux, trois... C'est un rôle. Le réchauffe-couille. Sors. Le réchauffe-couille. Voilà. C'est lui qui a appelé tout à l'heure, c'est sûr. Mon système est très simple. J'ai placé une pastille chauffante au niveau des parties intimes. Mmh. Voilà. Ok. Donc je me suis aperçu avec les copains, en parlant un petit peu, que je n'étais pas le seul à rencontrer ce problème. Pourquoi se réchauffe couilles? Parce que l'hiver, les couilles, c'est des cochonnets. Et ça, c'est pas très agréable. Elles rebondent, elles se mettent à l'abri. On est tous logés à la même enseigne, inutile de vous le dire. Ça emmerde. Ça emmerde un peu. Il a pas de filtre. Voilà. Ouais, il est cash. Voilà. Il est cash. Ensuite, ballante. C'est l'objectif. Avoir des couilles ballantes toute l'année, même sous moins de 10 degrés. Avec que le réchauffe couilles. Ok. Voilà. Il y a d'autres trucs à dire? Bien sûr. Ensuite, cette pastille, elle est inoffensive pour ces dernières. Et ça, c'est très important.
Ensuite, voilà, moi je vais vous le dire aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que je rencontre un problème, on est encore sur une étape de prototype. Il faut savoir que quand les couilles sont trop détendues, lorsqu'il y a besoin d'aller faire la commission, il y a collision entre les couilles qui rencontrent la merde. Alors, simple, aujourd'hui j'ai besoin de... Je viens de capter le logo. Tout simplement, 300 000 euros. On a commencé à faire justement un petit peu des merches là. Donc, c'est pourquoi j'ai besoin de vous aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui sur le maintenant. Ça sort aujourd'hui? Non, c'est pour... C'est maintenant qu'il faut qu'il donne. C'est juste aujourd'hui, j'ai écrit aujourd'hui sur le tableau, il fallait écrire quelque chose. Donc c'est 300 000 euros pour 20% de capital. La valo est plus intéressante. Ouais, par contre, un cinquième de l'entreprise, c'est quand même waouh. Il y a un marché, hein. Il y a un marché. Hugo, voilà, t'as les deux offres, on te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Moi, je trouve que celle-là... J'aime bien la DA. J'aime bien la DA, il y a un vrai marché. Daniel, j'ai une question. Ça s'accroche au caleçon ou ça... Alors. Bah oh. Très bonne question. Les pastilles durent 6 heures. Qu'est-ce qu'il allait faire là? Il allait frapper. Les pastilles durent 6 heures. Donc, bon, comme bon vous semble, si vous voulez en mettre deux dans la journée, vous en mettez deux. Mais bon, la plupart du temps, moi je me lève à 10 heures, je sors pour faire l'apéro, je rentre. Donc je ne sors pas plus de 6 heures à la maison. Hein. Moi j'ai la femme qui fait à manger, il faut que je sois à l'heure. Hein. Je comprends. Vous les avez ces pastilles avec vous? Pas en ce moment. Pas en ce moment. Pas en ce moment. Okay. Merci chef. Merci monsieur. Damien, wesh. Dame. Dame? Dame. Ça marche chef. Merci Dame. À vous deux. On viendra vous communiquer les résultats. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes... C'est beau l'entrepreneuriat. Exactement, des entrepreneurs. C'était la pépite, Hugo. Un choix entre les deux, qui tu choisirais? Les 300K. Celui à gauche pour la DA. Je comprends bien. Le logo, il a, pour moi, c'est coup de cœur. C'est juste Bravo. Logique. Bravo. Merde. Coup de cœur. Yeah, Covid. Covid. J'ai le Covid. Hey, t'inquiète, gros. Yeah. Merci beaucoup. Bon, le billet. Non, il y a pas de billet. Il a fait sa levée de fonds tout seul, quoi. Il a fait sa levée de fonds. Hugo, on a beaucoup parlé de ton parcours, on va maintenant aussi parler de tes passions. Okay. Parce qu'il y a Hugo, mais qu'est-ce qu'il aime, Hugo, à part décrypter? Voilà, c'est ça que je pose. Ta première chaîne YouTube, c'était sur Minecraft. Ouais, vrai. Tu joues encore? Sur jeux vidéo, ouais. Je joue encore à un jeu qui s'appelle Valorant, sur lequel j'ai un niveau très honnête, très acceptable, très bon, même dirais certains. Tu joues Cypher? Non, je joue Raze. Ça se voyait, tu jouais Raze, ça se voyait. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a des personnalités? C'est le perso que je joue, ouais. Toi, tu jouerais... Tu joues Raze? Moi, je joue Raze, ouais. Ah ouais, frère. T'avais une émission sur Twitch, Mashup, pourquoi ça s'est arrêté, Mashup? Sur Twitch, oui. Sur Twitch! Non, Twitch. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que j'avais plus le temps. Parce que juste, je réalisais... En fait, je faisais l'émission le mercredi soir, vers 20h, je sais plus dans ces eaux-là. Et en fait, après une journée de taf, je réalisais que j'étais crevé et que je baillais pendant l'émission. Ouais. Que les gens dans le chat disaient « Faut que t'ailles dormir, Hugo, faut que t'ailles dormir. » Ah ouais. Pas bon signe quand tu fais une émission sur Twitch. Donc, d'accord. Ah, nous, ils nous disent pareil, mais ils nous disent « Va dormir, on en a marre, on ronfle. » Ouais, tu dis ça après. En fait, c'est eux qui dorment. Il y a des Z dans le chat. Ouais, ZZZ, ouais. Allez dormir pendant un mois, deux mois, un an. C'est ça. Nous, on dort. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Ils nous disaient souvent ça. Rejoignez-nous. Ok, je comprends. Là, c'est miraculeux que vous ayez un extrait où je bientôt la fin du cinéma. Alors, non, je pense pas. Les salles se portent très, très bien. Il y a eu une afflux d'entrées en 2023. Tout se passe très bien. Donc, t'as pas demandé. Personne t'a demandé. Le débat, il est passé et tout. T'aimerais reprendre Twitch? Même si du coup c'est juste pour jouer ou des trucs comme ça. J'aimerais reprendre le live, ouais. En vrai, le live, maintenant, peut-être pas en... Enfin, tu vois, niveau actu, politique et tout, c'est pas trop la prio. Mais peut-être plus en kiff, en perso, lancer des petits lives. Ouais, un petit valo en bronze. Un petit... Pourquoi t'as précisé le... Ah bah, tu précises le... Un petit valo. Pourquoi tu précises le... Ouais. Non, il a pas. Il a... Non, mais c'est que... C'est quand même... La table est couleur bronze. Quand même dingue, ça. Ah, ok. Forcément, tu regardes aussi d'autres créateurs, j'imagine, sur YouTube et tout. Tu regardes qui pour détendre? Est-ce que tu regardes des chaînes françaises? Est-ce que tu... Qu'est-ce que je regarde? Je regarde beaucoup de chaînes américaines, pas mal. Mais je passe pas tant de temps sur... Non, beaucoup de chaînes américaines, très peu de françaises, en vrai. Pas beaucoup. Il y a que des quelques élus. Non. Ouais. En vrai, assez peu. Toi, t'es un Américain, t'es un mec des Sidemen, de Mr. Beast. Ouais, non plus, mais très peu en tout cas en France, c'est sûr, c'est pas trop le. Je capte. Ok. Très peu. J'ai une question. Ouais. Comment tu fais pour recevoir des invités de fous comme Christopher Nolan, Bill Gates? Comment ça se passe? Comment t'arrives à les avoir? En fait, on les contacte souvent. Enfin, Bill Gates, par exemple, on a littéralement contacté son équipe. Et alors, pour une qui fonctionne, t'en as peut-être 20 qui fonctionnent pas. Oui.
ça c'est normal. Mmh. Mais faut tenter. Et en fait, après nous, forcément le fait, on est plus suivi aujourd'hui qu'on l'était à l'époque. Donc ça, ça joue. Une fois que tu as déjà fait des premières interviews de ce type-là, c'est plus facile. On avait fait Hugh Jackman quelques mois avant de faire Christopher Nolan. Donc ça aide aussi que bah, Wolverine. Wolverine. Tiens, exactement. J'ai envoyé à mes modos les questions images, je les aurais pas envoyées. Et du coup. Continue l'interview. Et du coup, bah en fait, ça, je pense que c'est un effet boule de neige où à partir du moment où tu as réussi à faire des interviews qui plaisent un minimum et sont cool, tu fais quoi là ? J'envoie mes modos. T'occupe. Moi, je t'écoute, Hugo. Comme ça, j'envoie. Okay. Hop. Et du coup, mais il envoie quoi ? J'envoie le truc pour qu'il fasse le sondage. Hop. T'inquiète, pour l'interview. Okay. Continue, du coup, oui. Ok. Ouais. Et du coup, voilà. Globalement, écoute, ça se fait comme ça. Je pense qu'il y a un effet boule de neige dessus. Et c'est vrai que là, on a eu beaucoup de chance. On a eu des gros invités. On va avoir. Oh, c'est une exclue. Je l'ai dit nulle part. On va avoir Zendaya et Timothée Chalamet dans quelques jours. Voilà. Ah, venez chez nous ! Timothée, chocolat. Zendaya, you are the name of the émission. Come here. What the fuck? What the fuck? Mais là, elle viendra pas. Là, je pense qu'elle vient pas. Est-ce que elle viendra pas. Une direction que tu pourrais prendre un peu plus dans le futur, genre interviewer, tu vois, plus de personnalités, faire des reportages plus longs avec eux, c'est un truc qui te fait kiffer. De ouf. Bah, en fait, il y a deux choses. Le côté reportage, c'est ce que je préfère faire, et donc on va en faire. Là, on a beaucoup de trucs de prévus. Le côté interview, ce que j'aime bien avec les interviews culturelles, genre Hugh Jackman, Christopher Nolan, ce qu'on disait là, c'est que c'est une ambiance qui est plus détente, évidemment. Ouais. Et en même temps, on peut aborder plein de sujets de fond qui peuvent être intéressants. Et moi, j'avoue que c'est un peu une forme de pas d'échappatoire par rapport à l'actu, mais c'est un autre cadre où qui est différent après. Pression quoi entre gros guillemets. Exactement, exactement. Et donc j'aime bien le faire. Et s'il y a des invités intéressants qui participent, c'est cool quoi. Est-ce que dans tous les cas, tu veux continuer sur Internet, genre quoi qu'il arrive? Ouais. Bah en fait, tant que je peux faire ce que je veux faire, mais enfin, tu vois, le métier de journaliste. Tu l'as vu parce que tu écrivais des articles sur Fortnite. C'est vrai. Tu connais un peu. Je connais. Non, mais c'est un métier qui est ultra précaire et ultra dur. Oui. C'est-à-dire qu'en termes de débouchés, c'est ultra, ultra compliqué et force du coup à tous les étudiants en journalisme. Et mal payé. Et extrêmement mal payé, extrêmement précaire, extrêmement tout. En vrai, c'est l'enfer. Ouais. Et moi, j'ai l'immense chance de pouvoir faire ce métier que j'ai toujours voulu faire avec ce cadre-là. Donc ça n'aurait aucun sens que je me prive de ça. On essaie de faire en sorte du coup aussi d'avoir une équipe avec d'autres jeunes qui participent au truc et qui bossent dessus. Mais du coup, non, c'est... Ouais, j'ai prévu de continuer sur les réseaux. Okay. C'est là où je peux faire. T'as vu Thomas Pesquet ou je suis fou? J'ai vu Thomas Pesquet, ouais. C'est abusé. Ouais. Timine, tu poses une question, il fait... Il fait pas ça, je pense. Moi, pas trop. C'est toi, pas... ça va? Ouais. Il a un quoi délai... quand t'es pas sur l'espace? Il a un délai aussi dans les... Oh, je joue à Valo. Il est en duplex, pourquoi il met du temps à répondre? Je sais pas. C'est quoi, Hugo? Vu que tu passes ton temps à décrypter tout le monde aujourd'hui, c'est toi qui vas te faire décrypter selon nos propres règles. Oh. On va reprendre ton interview. C'est l'interview à thème roue des emojis. Et c'est toi qui vas la faire cette fois-ci. C'est parti. J'adore. On amène l'interview des emojis. Pourquoi on applaudit comme si c'était... Je sais pas. Hugo, merci. Je vais pas t'apprendre les règles. Tu les connais. Je connais. Y a des emojis qui vont passer derrière. Tu vas pouvoir buzzer au moment où tu veux et sur l'emoji sur lequel ça va s'arrêter, il y aura une question en rapport évidemment avec l'emoji. Hugo, c'est parti, on peut lancer la roue? On peut lancer les la roue. Les emojis. Je peux dire. Oui, tu peux analyser déjà ce qu'il y a. Il y a un peu de tout. Je sais pas s'il y a déjà des idées, mais il y a un peu de tout dans les emojis. Il y a un oiseau, un machin, un truc. Vas-y, j'appuie. Allez, on voit. Ok. Ah. Wow. La pêche. C'est tombé sur la pêche. C'est dopé pour une app de... C'est tombé sur la pêche. C'est quoi ton fruit préféré, Hugo? C'est ça la question derrière. C'est ça la question derrière. C'est ça la question derrière la pêche. Mon fruit préféré, je sais pas, la framboise, je dirais. Ok, très bien. Moi, je pense que les gens kiffent et tout la réponse. On va remettre la roue des emojis. Là, il y a d'autres trucs qui vont sortir. La framboise, ouais, moi j'aurais pas dit ça. Ouais, moi j'aurais peut-être dit la pomme. Mais bon, voilà, chacun. Moi, c'est raisin. Moi. Ouais, c'est chacun comme il veut. Ça valait le coup. Je réappuie là. Ouais, réappuie vas-y. Quand tu veux. Sur quoi va-t-il tomber? Aïe, 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 l'aubergine. Il est tombé sur la grosse beuteux, l'aubergine. Qu'est-ce que tu penses de la situation des agriculteurs en France, Hugo? Je m'attendais à tous au bazar. C'est pas du tout une question piège, là. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est une situation qui est très, très compliquée. On a fait un reportage, d'ailleurs.
On est allé voir des agriculteurs à Strasbourg il y a quelques semaines, au moment des blocages. Je suis en train de lire un livre sur le sujet, voilà, c'est pas du tout intéressant. Voilà, dans une situation très, très difficile. Après, vraie question politique, tout le monde n'est pas d'accord sur les solutions possibles pour faire face à cette crise. Voilà, j'ai fait une réponse très intéressante. Elle est très intéressante, et d'ailleurs, j'invite les gens à aller s'informer, notamment avec Goat Decrypt. T'auras toujours pas d'actu du jour. D'accord, tac, tac, ça marche. On remet la roue des emojis, c'est parti. On en a encore deux là, j'espère que ça va tomber sur des trucs un peu sympas. Force à nos fermiers. Force à eux, c'est très dur. C'est parti. À nos fermiers, t'as dit. À nos fermiers. Ok, ça tombe sur quoi? Aïe. Ah, la langue. Voilà, la langue. La langue, snap, la langue. Aïe, 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 aïe. Ah, la langue. Hugo, tu es franco-britannique déjà, c'est fou. Tu parles combien de langues? Je parle trois langues, français, anglais, espagnol. Pas mal. Espagnol, oh. Si, claro. Me llamo Grimcujo. No cierres la puerta del cuarto de baño, que tengo que lavarme los dientes. La cuenta, por favor. Si, si. Si, claro. Patatas con fritas, señor. Bellota. Café con leche. Bien, sí. Café con leche, sí. Mucho queso. Mucho dinero. Mucho dinero, aquí, sí, mucho dinero. Muy bien. Muchas gracias, señor. Si, también, también. Hugo, il reste une dernière roue des emojis. J'espère le niveau des questions, il est très variable sur ce. Ah, c'est la roue des emojis, c'est toi qui l'as inventé. C'est parti, on remet la roue. Sur quoi t'aimerais tomber un peu, Hugo? Écoute. T'es pas tombé sur tout encore. C'est vrai. Écoute, sur l'oiseau, la fumée. Ouais, j'allais dire l'oiseau aussi, ouais, ça a l'air sympa. Allez, c'est parti. Il y avait même pas. Aïe, même pas cet emoji, les gars. Go, ça baisse un peu. C'est peut-être un peu privé la question. C'est pas. En fait. T'es un gros baiser. Ouais. C'est peut-être un peu privé, la question, là. C'est la question, hein, en vrai. Bon. On envoie le flop Cuccio. Flop Cuccio. Allez, allez. Woo. Allez. Flop Cuccio. Flop Cuccio, Hugo. Hugo, est-ce que t'as déjà regardé l'émission? Oui. Cite-nous trois invités qu'on a eu. Non, je rigole. Gotaga. Oui. Pas Zendaya, pas Timothée Chalamet. On va t'expliquer le flop Cuccio, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est moi, je t'ai posé des questions. C'est des questions un peu plus travaillées que le reste de l'émission. C'est vraiment. C'est piquant, c'est là, c'est pour te faire cogiter. Ça va au fond du défi. Hein. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, vas-y, je suis chaud. Hugo, est-ce que t'as déjà vraiment raté une interview? Je crois pas. Vraiment raté, non. You never miss. De quoi? You never miss. Non, ceci, non, après, il y en a qui étaient. Je pense que les premières étaient moins bonnes. Les premières étaient. J'avais moins de répondants, moins de. Tu vois, c'est ce qui est normal parce que c'était les premières. Non, sinon, vraiment raté, je pense pas. Là, j'en ai pas en tête. En tout cas, après, chacun son jugement. Oui. En vrai, c'est intéressant, c'est un des rares trucs. Une interview d'un politique, il n'y aura jamais tout le monde d'accord sur le traitement qui a été fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dans tous les cas, les détracteurs ne vont pas être contents. Oui, et parce que tu es biaisé ou si tu es neutre. Exactement. Il n'y a aucune interview politique d'un président, par exemple, qui fait l'unanimité. Ça n'existe pas. Parce qu'en fait, c'est une question d'approche sur le sujet. Et chacun un peu son truc. Bref. Ouais, bah, c'est sûr. Voilà. C'est vrai. Alors que nous, Zen, à chaque fois, les gens, ils sont tous d'accord. Ils sont là, ils kiffent tous. Dès qu'on annonce un invité, ils sont en mode mais non, c'est la saison que j'attendais. Ils sont parfait, mais faites-en 44 des saisons. Parfait, c'est parfait. Laisse venir Zendaya. Ouais, quoi, Zendaya? Mais c'est trop bien. Tout, ils kiffent tout. Par contre, non, mais je sais pas si vous avez ce truc là. Les interviews, c'est le truc par contre. Parce qu'autant, il y a rien, je pense, où j'ai vraiment loupé de chez loupé. Autant, quasiment toutes les interviews, à la fin de l'interview, t'es en mode ah, peut-être que ça, j'aurais dû. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Vu que c'est comme un oral ou un tout truc, le temps. T'as un truc où t'as un jeu de l'instant et tu peux et pas. Et puis tu dis, ah putain, pourquoi j'ai pas dit ça à ce moment-là? À chaque fois, moi je me dis ça. Pourquoi j'ai pas dabé à la 12ème minute? À chaque fois, je me dis ce truc comme ça. Pourquoi j'ai pas hit the floss on the bell? On comprend pas quand tu parles. Est-ce que tu as déjà fait un mauvais décryptage? C'est ça l'interview petit? Les termes de discussion, ça a dit décryptage. Écoute, ça a dû m'arriver ça en l'occurrence. Pas être précis sur un truc ou machin, ça c'est humain. Tu veux que Grim aille chercher les billets? C'est quoi le... Tu fais quoi, là? Non, je les garde de côté. Mais frère, c'est à nous. Eh, le chat, bon, Hugo, je te le dis, tu as un épi de malade mental, mais c'est pas grave. Ah ouais, le chat ne parle que de ça. Mais franchement, il est un peu stylé. Ah, lui? Ouais, mais je trouve... Ça va, ça non, va. Moi, je l'aimais bien, mais attends, le chat ne parle que de ça. Épi, c'est bon, arrête avec les épis. Les gars, l'épi, il était cool. Il était cool, l'épi. Moi, je trouve ça faisait... Il se fait bien l'émission, en tout cas. Ça faisait punk. Moi, je trouve c'est... Ouais, moi, je trouve ça faisait punk, l'épi, il parlait que de ça. Voilà, hey, vous êtes contents, il n'y a plus d'épi. Il n'y a plus d'épi maintenant. Il n'y a plus d'épi, c'est bon. Par contre, il est là depuis combien de temps, l'épi? Franchement, peut-être 30 minutes. Ouais. On peut la refaire.
On peut la refaire du on début. On peut refaire le, ouais, le truc de. Le fait entrer l'accusé. Fait entrer l'accusé et tout et tout. Ouais. Ah ouais. Oh, non mais c'est épuisant, c'est prenant ça. Ouais mais c'est après c'est repris sur TikTok, Twitter et tout. Écoute, Hugo, nous on est là pendant 2 heures, on est payé seulement 15-20 000 euros pour être là. Non, c'est juste si j'ai un épi, moment, si j'ai un épi pendant toute la séance. Enfin, c'est un peu chiant quoi. Je trouve ça un non, peu. Non, on l'enlèvera en post-prod. ChatGPT, on monte. Oui, en post-prod, on l'enlève avec OpenAI. AI. Meurs. Qu'est-ce qu'on a fait, OpenAI meurt. Quoi? C'est le thème de Ludwig Göransson, celui qui a fait la BO de Oppenheimer, de Nolan. Monsieur. Qui, personnellement, je trouve, reçoit un peu trop de prix par rapport à la qualité du film. Genre, le film est sympa, mais là, dans toutes les cérémonies, il prend tous les prix. Calme, tu en donnes 2-3. Wesh, il prend tout. Et pourquoi on parle de ça? On parle de ça. Si t'avais flopé dans le journalisme, t'aurais voulu faire quoi? Bonne question, je sais même pas. Eh ben, franchement, je sais même pas. Peut-être du droit. Voilà, parce que ça me tentait un moment et je réfléchissais à faire du droit. Voilà, réponse très premier degré. Mais sympa, le droit. C'est cohérent, ça se tient. J'en ai fait 3 mois, j'ai arrêté. J'ai pas réussi. T'as pas. Premier partiel. T'as des articles sur Fortnite. Premier partiel, je suis parti sur Fortnite. J'ai une blague dans l'oreille, c'est un calvaire. Il m'a dit t'étudiais de travers ou quoi? Et là, j'entends, il rigole en plus. Il rigole. J'ai entendu, il rigole. Très grave. Il y a plus de rire dans la régie que dans le chat. Oui, oui, le public oui, du chat réuni. Oui, je pense. Il est trop fier. Tu sais, quand il parlait, dis-lui, tu rigolais de travers ou pas? Bon, Hugo. Bon, du droit. Ouais. Top. Bon. À ton avis. Excellent. Cool. À ton avis, est-ce que je peux devenir président? Toi? Ouais. Franchement, t'as quand même une bonne popularité. Tu vois, je trouve t'as. Moi, j'ai suivi le truc The Weeknd où t'as la jouée The Weeknd. Là, c'est ouais. Je pense que ça t'a. Ah ouais. Hausse de popularité. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie hausse de popularité avec ça. Ouais, je pense que tu pourrais. Mais c'est quoi les conseils? C'est quoi les conseils? Bah, pas tenu. Ok. Dans la démarche, c'est quoi? Genre, je dois aller à la mairie, je dois. Il te faut, alors concrètement, pour être candidat, il te faut 500 signatures. Moi, je t'en fais 200 si tu veux. Okay. Je t'en donne la 200. Ça marche pas tout à fait comme ça. Il t'en faut 500 de maires. Ah. Surtout des maires. Maman Daronne, elle peut en faire une. Ouais, chose. J'avais demandé. Bah, de toute façon, j'ai le numéro déjà. Donc, non. Okay. Non, les autres maires. Ah ouais, ok. Ok. Les autres, ouais. Et donc, il t'en faut 500. Un peu réparti sur le département, donc c'est un peu compliqué. Il faut que tu fasses un vrai tour de France pour aller récolter les signatures. Et je pense que ton public est rarement maire. Détrompe-toi. Okay. Ah, détrompe. Je connais le maire de La Rochelle. C'est vrai? Non. Ah. Je me disais aussi, bizarre, t'es en place. Ouais, j'avoue que. Mais non, ok, bah et je. Et du coup, voilà, donc il faut des signatures. Après, il faut de l'argent. Je sais pas si ça, tu. Prête à un pote qui a l'air. Non, je vends son costume. OP Adidas, t'inquiète pas. Ça a l'air. Passé, ça dépasse 6 chiffres. Ça a l'air pas mal. Pas 6 chiffres. 6. 6 chiffres, ouais. Donc il est bien. Il y avait des billets tout à l'heure. Oui, non, mais t'inquiète pas pour lui. Donc ça, il faut du budget, il faut les signatures. Ah, faut la JDC. Faut la JDC. Alors ça, il faut vraiment mais oui, la JDC. Faut la JDC, c'est obligé. Je la passerai entre temps. Tu la passeras entre temps. Faut le permis, ça peut être pas mal. Sauf si t'es un chauffeur. J'ai le permis, mais enfin. T'inquiète. Bah, vas-y, 500 signatures, une JDC. Ça me choque, tu considères vraiment Green President, ça me choque. Une brique non, de lait, moi. Basta, on y va, hein. Après, je dis pas que je soutiens, mais franchement, je veux voir ça. Et j'ai très hâte de l'interview. Tu seras attaché presse ou un truc comme ça. Attaché presse. Hugo, on passe tout de suite à l'interview image. Ah. Il n'y a pas de jingle pour l'interview image. Ah, ça, j'ai fait un clap. C'était bien ce que t'as fait, Grim. L'interview image, c'est quoi? Il y a 6 images qui vont s'afficher, on n'a pas eu le temps de parler de tout, il y a des petits sujets qu'on voudrait aborder avec toi, il y a plusieurs images, derrière chaque image une question, tu peux en sélectionner 2, le chat va pouvoir en sélectionner 2, les modos du coup ont fait un sondage, vous pouvez en sélectionner 2 chacun, derrière la question star se cache une star qui t'a posé une question, voilà, écoute je te laisse choisir la première. Franchement, je veux la question star. Question et star. Et je peux en prendre combien? 2? Tu peux en prendre 2. Bah question star. Question star, on envoie, c'est parti. Salut Hugo, c'est Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas content? 49.3. J'ai une question pour c'est toi. C'est pas Macron, frère. J'ai une proposition pour faire un concept sur Internet. La théorie originale avec Théorus et King Chris. T'en penses quoi? Tu penserais bien pour un mandat? Vous n'êtes pas content? Baiser. Mais c'est un bon slogan. C'est pas Macron. Pas content, baiser. C'est je pense sur l'affiche, ça passe. Après, le mec est très beau et tout là-dessus. Vas-y, pas de problème, mais c'est pas Macron. Franchement, tu ressemblais au. Le mec qui avait l'air d'être le président et qui ressemblait. Mais toi aussi, tu ressembles à Macron. Je pense que le mash-up. C'est parce que Squeezie aussi ressemble à Macron. Oui. Je pense qu'un mash-up, ça donne. Vous deux, ça donne tête de Macron. Je suis dégoûté, frère.
Bon, bah, le chat a choisi deux images. Ah. Je te l'ai dit tout de suite. Vas-y. Ok, on va prendre donc le squeeze. Ah, bah, c'est le squeeze. Bah, on l'a pas fait le squeeze. Ouais. Bah, le squeeze. Ah, bah, vas-y. Le squeeze en premier, c'est quelqu'un avec qui tu es très proche. Ouais. Tu es même présent dans le documentaire, merci Internet. Oui. C'est quoi votre relation? C'est vraiment un ami? Comment ça se passe? Comment vous êtes rencontrés? Ouais, bah, c'est parce que vraiment toi, t'es très intelligent et lui, il est très bête. Et comment s'est fait cette réunion du choc, finalement, un choc entre. Genre la bêtise, quelqu'un de très très bête. C'est un peu comme nous, toi le bête, moi l'intelligent. Ouais, c'est ça. Hugo DJ là. Et ouais, en tout cas, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Je sais pas, via plein de potes en commun. Mais t'es pas dans le cabinet de Macron, du coup, tu l'as vu et tu l'as recruté comme ça? Il est pas dans le cabinet de Macron, c'est pas vrai. Il était pas, ça c'était. C'est des. Ok, non, c'est les IA, ils m'ont... C'est les IA. Enfin, c'est les IA. C'est les IA. Et non, écoute, je sais pas, on est devenu très potes, très amis, comme ça, au fil du temps. Je saurais pas vraiment comment le dire, okay. Mais c'est cool. C'est vrai qu'en vrai, on n'est pas dans le même... Enfin, on est à la fois dans le même univers et en même temps pas du tout. Oui. Et je pense que, mine de rien, t'as une partie de ça qui nous rassemble. Enfin, tu vois, c'est normal, c'est comme... Enfin, vous êtes forcément aussi potes avec d'autres personnes qui sont dans ce truc-là parce que, bah, juste, t'as des sujets en commun, t'as des réflexions pas en commun, moi, machin. Que des snakes. Ah ouais, que des snakes, que des ah ouais. R. Ouais. C'est un milieu. Je suis un Lone Ranger. À la fin de l'émission, juste tu traces, tu sors et. Ah, il se casse, il prend son sac à dos, écouteurs. 22h02, je suis plus là. Non, voilà, et puis du coup. Ouais, écoute. Voilà. Est-ce que t'as une autre. T'en as dit qu'une là. Que tu veux choisir? Écoute, je comprends pas le micro en bas. Alors, on a. Je sais pas ce qu'il peut y avoir. Squeezie, le GP, l'Elysée, ouais. La présidence, etc. Un micro. Ouais. Et le chat, une question autour d'interview. Et le GQ. Et le chat, il a pris en deuxième président. Du coup, bah t'as GP, GQ et l'Elysée. Ah, le chat a choisi président. Le chat, c'était Squeezie président. Du coup, elle est actée celle-là. Du coup, t'as GP, GQ et Elysée qui te restent. Et non, président, c'est le chat qui l'a choisi. Ouais, c'est quoi, ça. Il reste micro okay. Pour l'interview. Il reste GQ. Ok. Et il reste le GP. Je sais pas. S'il y a tout le président qui vient après, GQ du coup. GQ. Je sais pas ce que je. GQ. Ouais. Ça fait quoi d'être dans les hommes de l'année? T'as été. Oh. Parmi les hommes de l'année GQ, petit shooting touche did, bah. Costard. Ah ouais, costard. C'est parfaitement à l'aise, évidemment. C'était beau. En mode draft NBA. Ah oui, parce que j'étais grand. Ah oui, il y a une photo, ça fait. Je vois ce que tu veux dire. Tu fais quelle taille? 1m92. Bravo. Tu peux pas faire le GP alors? Je peux peut-être pas faire le GP. Putain, t'es pas beaucoup plus grand que moi. Je fais 87. Tu faisais 95. Et t'as 19 ans, donc. Ouais, tu peux encore grandir. Tu peux encore grandir. Je suis pas si jeune que ça. Tu grandis encore après. T'as 16 ans. T'as 16 ans, ouais. Mais du coup, non, écoute, pourquoi est-ce qu'on parlait de ma taille? Ah oui, parce que photo, draft, NBA, ouais. Je vois très bien le truc. Écoute, c'était un exercice que je n'avais jamais fait de ma vie. Je sais pas si je referais ça souvent, mais c'était très marrant à faire. Je sais pas si tu vois, parce que t'es un peu dans la mode, je vois que t'es un peu fashion. Bah, moi, j'ai fait beaucoup de shooting avec Adidas, donc oui, je vois. Merci beaucoup, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, j'ai après, on aime ou pas, mais en tout cas, t'es dans. Bien sûr, oui, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et voilà. Mais moi, je vois, l'exercice shooting est assez drôle quand même. C'est cool l'affaire. Après, le. Ouais. Ouais, ça c'est du. Ouais, en fait c'est lui qui était assez. Merci. Il y avait un truc en tout cas. Ça merci va, beaucoup. Ça va. C'est gentil. Ça fait plaisir quand même. Pourquoi tu bouffes ta. Ouais. Tu remarques. Tu manges ta cravate ou reste ta cravate? Ça veut rien dire, je comprends rien. Qu'est-ce que tu fais? Je mange pas, je me gratte. Ok, du coup, ouais, petit. Et du coup, ouais, non, écoute, c'était marrant, petit kiff. En fait, tu te retrouves à faire un truc que moi j'avais jamais fait, sur lequel j'étais pas forcément à l'aise à faire. Mais en fait, c'est marrant, tu dis, c'est une expérience. Ouais, c'est cool. YOLO, comme disent les jeunes. Et mais voilà, c'est vrai qu'on dit tout ça. On dirait Bruno Le Maire. Moi, je dis encore, moi. Les amis, on passe tout de suite à la question président. Est-ce que t'aimerais te lancer en politique? Non. Jamais. Non. Jamais. Est-ce que tu penses que. Non. Non, parce qu'en fait. Alors, je sais pas si mais c'est le fait de s'intéresser à ça qui m'en a dégoûté. Mais à la fois, la politique, c'est ultra important et il faut s'y intéresser, que ce soit national ou international. Pour moi, je considère que c'est quasiment un devoir, tu vois, d'être un minimum informé. Et c'est pour ça que j'essaie de faire ce que je fais avec ma chaîne. Autant moi, faire de la politique, ça me. Ouais, ça te fait chier. Ah ouais, bah je pense que c'est En fait, c'est pas du tout le même truc. Couvrir un sujet et être acteur de ce truc-là, moi, ça me parle absolument pas. Je comprends. Donc, non. Ça, c'est vrai. En plus, là, j'ai parlé sérieux. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais en mode. Mais politique, c'est les trucs des darons, moi, je m'en fous, moi. T'avais cet accent? T'avais quel âge? Enfin, tu. Je sais pas, j'avais 16 ans, moi je t'étais déjà sous-gauloise. J'étais en mode, c'est le truc des dents, je m'en fous, tout ça. Mais en fait, plus tu grandis, plus tu te rends compte que t'as des réformes, t'as des trucs, c'est et t'es en mode, il y en a, ils veulent t'entuber de plus en plus. Du coup, en fait, quand tu grandis, tu t'informes, tu sais comment ne pas te faire entuber. Du coup, c'est intéressant et c'est important. Là, je parle sérieux. Eh, les jeunes, faut se politiser, faut se tenir au courant, faut pas être en mode,
C'est pas pour moi. C'est les autres. Eh ouais, c'est vraiment, je vous jure, parce que sinon, si vous prenez les mauvais médias ou vous écoutez ce que des gens disent, tu vas te prendre des infos de merde et tu vas être biaisé. Si la politique, même si tu t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Exactement. Mais toi, c'est un beau discours là, tu m'as touché. T'as des vraies qualités de. Ah ouais. Moi aussi, ouais. Tu m'as touché. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, on a des screens. Les gens l'ont vu. Tu m'as beaucoup touché et ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ah, tu fais. Ça fait plaisir. Bah, par contre, c'est quoi, Hugo? Toi, t'as dit ça te chauffe pas, mais en vrai, moi, être président, j'aimerais bien. Ouais, bah, en fait, je crois que t'es matrixé depuis que t'as. Mais frère, t'as dit que chauffé, ça t'a chauffé. En vrai. On est combien en France? 65 millions. Ouais. Non, un peu plus, mais. 68 millions, si tu veux. C'est un sans mère qui te disent. Ça se fait. Regarde. Toi, t'es dans mon équipe. Je suis en train de réfléchir. Ben et Elian, dans mon équipe. Théo, concierge du bureau. Toi, je te prends. Non. CM. Non. Viens, on le fait. Viens, on y va. Viens, on fait, frère. Viens, on y va tout de suite. On le fait. Bon. Grim 2027. Viens, on y va. Je vais peut-être faire une actu. Ah, bah voilà. Tu vois, il y a une actu. Allez, viens, on y va. Ouais, là, il y a une vraie actu. Il y a un truc à faire. D'accord. J'ai suivi les conseils d'Hugo. Je m'accompagne aujourd'hui, les gars. Merci à vous de me suivre. C'est normal. Bravo, Grim. C'est normal. Avant de commencer, il faudrait peut-être voir qui sera Premier ministre. Il t'en faudra un, quoi qu'il arrive, dans le gouvernement. C'est évident. Ah oui, effectivement. Mm. Et rien, c'est juste pour te dire que voilà, moi j'étais très fier de ce que tu faisais, que j'étais le seul qui t'avait fait confiance sur Zen quand t'étais encore à la rue. Donc voilà, c'est juste pour te dire ça, mais voilà, keep going, President. Merci Maxime, ça me fait pas plaisir, mais c'est pas prévu tout de suite, mais toi je peux te mettre directeur de cabinet. C'est bien. Ouais. Le seul qui a un rôle et c'est assuré, c'est Elian. C'est vrai. Ministre de l'égalité homme-femme, messieurs. Mais bon, on va y aller doucement. On va commencer par être égaux sur le code de la route et on verra pour la suite. Grim, je te conseille de réfléchir peut-être un peu avant quand même. Oui, bon. Dans un premier temps, on va parler de ma première manœuvre, nutrition. Le kebab à 5,50. Il y en a marre, les étudiants, ils se ruinent pour se nourrir. Ouais, alors ça, là, on va droit dans le mur, je pense. Malheureusement, il faut être aussi en phase avec les réalités. Quand on est président, là, en ce moment, les jeunes, les kebabs, ils y vont plus. Les gens, c'est Phuket, Ritz, peut-être. Voilà, là, ce midi, par exemple, j'ai galéré à avoir ma table. Donc, faudrait peut-être. Je trouve que c'est un bon début. Après, c'est juste que peut-être qu'il faut aller chercher des sujets un peu plus larges à creuser. Je sais, t'as d'autres idées? Bon, j'ai autre chose. Battlecart en prime time sur TF1. Alors ça, c'est très bien ça. C'est très bien. Non mais attends, Chris, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es loin comme ça? C'est Maxime qui m'a dit de venir ici. Non, mais non. Enfin si, mais en fait c'est parce qu'en fait on a une équipe de tournage aujourd'hui qui est venue, voilà, voir le QG de campagne. Et du coup, fallait occuper un peu l'espace. Chris, il se met là, nous on se met là et... Ok. Non mais c'est bien, bon c'est... allez, moi j'ai une idée que j'aimerais te proposer. J'ai un projet de loi contre les patrons qui cantonnent le fisc. Ben, je crois que c'est Grim le président, ok? Donc tu le laisses faire ses propositions et tu gardes tes petites idées pour toi, ok? Merci. Vas-y, tu peux continuer, président. Il veut quoi, lui? Non mais Lyon a raison, c'est moi le président, donc en fait soit t'arrives, Ben, c'est moi le président, donc soit t'arrives avec des idées bien construites, bien préparées, soit tu fermes ta gueule, Ben! T'as entendu pas? Ouais, j'ai... Sois de fond de ta gueule! J'ai entendu. On enchaîne. Là, j'ai un problème qui me tient à cœur. C'est un problème qui touche tous les jeunes. Ils ont peur, ils peuvent plus s'amuser. C'est toujours les mêmes qui sévissent. Oui! On en a marre! Oui, président, voilà! J'ai une manœuvre pour ça. 2 ans de sursis pour tous les jugglers en 0-10. Parce que c'est bon, là, les Kha'Zix qui me disent « Invade !» Tu viens, ils meurent, après 0-10, et après ils te reportent. Stop! On n'en peut plus, 2 ans de sursis. C'est vrai, Max, on dirait que t'es déçu. Non, c'est bien. Par rapport à League of Legends et tout. C'est bien. Grim, t'as rien d'autre? Un truc un peu plus important, peut-être qui nous concerne tous. Enfin, je sais pas, pour ta campagne, vas-y, sors-nous un exemple. Exactement. Un sujet qui nous concerne tous, enfin tous. Plus certains que d'autres. Mais en tout cas, un sujet qui concerne les Français. Ouais. Le chômage, les retraites. Tiens, voilà, c'est les grands enjeux de 2027. Bah, voilà, les retraites, c'est bien, c'est important ça. Faut préparer le futur des grands joueurs, tu vois, comme Caliste. Lui, il faut les préparer sa retraite. Donc t'as raison, les retraites, c'est important. Oui. Tant qu'à faire un nouveau système de ranked sur Apex aussi, non? Voilà, c'est ça que j'aime. Bravo Elian, c'est bien ça. Parce que j'étais en Silver et là, je suis passé Prédateur.
sur Apex. Et enfin, bah, c'est chiant, quoi. Ah ben non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, du coup. Merci. Ouais. Ah, elles sont arrivées. C'est les fameuses. Et voilà, le template de nos affiches de campagne. Sympa, allez, sympa. Tiens. Allez, donne-moi. Magnifique. Montre-nous tout ça. Les gars, elle est incroyable. Ah ouais. Oh là là. Ok. C'est bon ça. Vous en pensez quoi? Bah, c'est bien quoi, il manque le petit slogan. Ouais. Le petit slogan, oui. Vous avez des idées? Moi, un petit, si vous voulez, vous savez quoi? On va faire un petit truc que je faisais beaucoup moi en prépa à Harvard. En fait, je vais vous donner des petites feuilles, chacun va donner une petite idée comme ça. Et on va noter. Et comme ça, voilà, chacun va pouvoir... Ok. Tac, tac, tac. Et Maxime aussi peut avoir une feuille? J'en ai plus. Moi j'ai déjà mon truc. Ah tu l'as déjà? C'est mon directeur de cabinet ça. Ça c'est mon directeur de cabinet. J'avais potassé un petit peu le sujet. Ok c'est bien, c'est top. Ok les amis, qu'est-ce qu'on est? Nous on est différents. Montrer qu'on est en opposition avec les autres, avec les parties de d'habitude, qu'on est voilà, qu'on est différents. Mm-hmm. Je suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Je vois. Je visualise. Peut-être un peu confusant quand même. Je sais bon, pas en fait, le E, on ne sait pas ça, ça parle de quoi ou de qui, c'est bizarre. Le E, c'est les candidats, les autres candidats. Ah. Voilà, c'est pour ça. Bah ok, top, top, top. Merci. Ben, t'as notre propale peut-être. J'ai mon idée. J'ai ma petite idée. J'ai joué un peu sur la facilité. Hein. Voilà, je joue un peu sur la facilité. Je me suis servi voilà, du fait que je sais qu'il y a tes viewers qui t'appellent un peu de temps en temps par un certain truc. Tu sais, à chaque fois, il y avait la ref avec Dommage, il y a Grimm. Ah dommage, et v'là l'autre fils de pute. Ah v'là l'autre enculé, avec... on a envie de lui donner des coups de coude dans la mâchoire, lui péter, il va ressembler à un frère Bogdanov. Eh tiens, fourre-lui le doigt dans le cul là. Comme ça tu le frappes fort comme ça, ce fils de pute. Avec sa tête ça, de cul C'est ça. De merde. Tu veux quoi toi? Personne disait ça, hein, personne. Je suis presque sûr que si. Je suis presque sûr que si, mais bon c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais du coup je suis parti de ce principe là. Et donc fini les dommages Yagrim. Et tout le tralala. Maintenant c'est heureusement Yagrim. C'est pas mal ça, c'est bien, c'est simple et bien, c'est catchy, c'est bien, hein. C'est bien, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je peux m'asseoir? C'est bien ça. Vas-y, ouais. Va t'asseoir. Elion, t'as un truc toi? J'aime beaucoup. Si j'ai un truc, on peut appeler ça comme ça, faut savoir que moi... Alors voilà, pour ceux qui me connaissent, moi je suis un peu spirituel, j'ai un cerveau un peu en herborescence, j'aime bien, voilà, moi je suis là, je me projette, je pars d'une base, d'habitude, je pars d'une base pour partir sur quelque chose d'encore plus gros, d'encore plus massif. Ouais. Donc pour l'instant j'ai fait une beat sur... je pars vraiment de... Ouais. Bah voilà. Je crois qu'on part bon. Sur le mien peut-être. Heureusement il y a Grimm, c'est très bien, c'est bien, c'est efficace, okay. Bravo Ben. Attendez, attendez, une seconde, si on peut peut-être faire la petite photo. De très bien ça, très bien. Allez tout le monde, se met tous là et... À côté du président. Oui, moi je me mets à côté là. Du futur président. C'est ça, bien. Chris. Tu peux prendre la photo, Chris. Moi je peux prendre la photo. Ouais, tu peux prendre la photo. Non, attention. On est tous dans le cadre, c'est bon? Tous dans le cadre, oui, là. Parfait. Ouais, voilà. Bon. Tac, tac, tac. Bon, il y a plusieurs photos, donc. Ça marche. On pourrait piocher. Ok, bon, allez, on va à la cantoche. Je pourrais tester un jour l'écharpe président. Allez, c'est parti. Ok. Les présidents, ils ont pas... Heureusement, il y a Grimm. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre... Bon, mettez-moi un cordon bleu, ce sera plus simple. Ah non, ça, monsieur, c'est menu enfant. Hein. Bon, mettez-moi un burger. Bonne journée. Merci. Bonne app. Bonne app. Bon, c'est important de savoir ce qu'on fait maintenant. Bah écoute, moi je pense que je vais attaquer par le riz. Non, alors je pense qu'il parlait des actions. Oui, voilà. Ouais. Bien sûr. Je pense qu'il faut commencer par une action forte, voilà, pour avoir nos premiers adhérents, et je pense qu'il faut viser les jeunes. À mon avis, il faut qu'on vise les jeunes. Bien dit, Elion, c'est vrai ça. Bon, merci, Elion. Good news time. Grimm, je pense que tu vas me remercier. J'ai appelé une caméra de télé. Donc là, il y a la télé qui va venir nous filmer. Ils vont te filmer à la rencontre des citoyens, voir un petit peu comment tu te débrouilles. Donc. C'est trop bien, c'est top, c'est top, bah, bravo Max. Bah, merci les gars, vous avez vu, il y a les rats qui ont quitté le navire. Bah, moi, je suis toujours là. Voilà, c'est incroyable, ça va nous aider ça. Mais il est où, Chris? Faut le prévenir. T'es pas descendu avec nous? Manger, ça va être. Allez, gars. Manger notre petit truc. Bon, heureusement, il y a Grimm. Grimm 2027. Tenez, monsieur. Heureusement, il y a Grimm. Grimm 2027, c'est pour lui qu'il faut voter. Pas l'image de la ville. Hein. Ils ont quelques teams du lundi, tu vois, quelques wax, quelques mintos. Putain, ça mord le trottoir, là, deux roues, là. Ils sont dessus, là. Comme par hasard, une fête 500 roses. Je sais, j'ai une urgence. Ok.
Non mais oui, c'est pour ça, pour moi, c'est important d'aller à la rencontre des gens, parce qu'il faut leur dire, 1350 RP, un skin, même légendaire, ce n'est pas normal. Les RP, ça se traîne pas dans les rues. Ça, c'est important d'aller à la rencontre des gens, que je puisse les voir, les rencontrer, et leur présenter mes valeurs. C'est pour ça que je suis là. J'espère vous allez m'élire, vous allez voter pour moi, et je me bats pour ça, je me bats pour les bonnes valeurs, pour des skins à bas prix, des skins à la portée de tous. Va te faire foutre, chien, je te baise, moi. Grim, tout va bien? Périmètre de sécurité! Strax! Au secours! Arrêtez! Les bâtards, ils ont tarté Grim! Ça va, toi bien? Je sais pas qui c'est, mais j'ai quand même stop, ma stop, stop. Du profil. Nettoyez-moi! Nettoyez-moi! Voilà, excusez-moi, Frédéric. Comment ça, tu sais? T'étais pas là? Il en a partout, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible à voir. Je pense qu'il faut retourner au locaux, là. Hein. Oui, c'est mieux pour sa sécurité. Voilà, allez, allez, connard! Rouge. Je commande un chauffeur. Mélanie, on rentre en métro, les gars. Ouais. Franchement, je suis en train de regarder les avis, il y a tout le monde qui parle de nous, finalement c'est pas plus mal hein. Enfin bon, Grim s'est quand même fait agresser hein. Je suis pas sûr que ce soit une bonne pub moi. Agresser, je peux pas dire ça, t'as pas eu mal, c'était juste un petit tarte, tu vois. Bah c'est vrai que le mec il avait un petit gabarit quoi. Genre je me rappelle plus de son odeur que de la baffe quoi. Ah ouais. C'est pas faux ça. Moi j'ai vu ça de loin. Et franchement, ça voit, il avait un bon striking quand même, je pense qu'il a fait du mixed martial art, MMA. Vous pensez? MMA, c'est du sport de combat. Pas forcément. Bluebird, c'est tellement toxique. Twitter? Ouais, Twitter. Les potes, j'ai un plan, faut pas se laisser abattre. Et je pense que ça peut vraiment marcher. Est-ce que Grim, tu me fais confiance? Vas-y, je suis chaud, c'est quoi le plan? Tu vas voir. C'est parti. Bonsoir! Ouais, les règles du concours d'anecdotes, face à face, une anecdote chacun. Alors là, vous êtes tous seuls. Regarde, juste en dessous, un million de vues là, déjà. Comme ça marche bien, mon champion. C'est bien. Mon président. Les commentaires sont un peu mitigés, mais ça, c'est pas, à la limite, c'est pas grave. Ouais, non, mais au bon moment, on vise bien les jeunes. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Allô? Ouais. Bien sûr, ce soir? Avec plaisir, c'est parfait. On y sera. C'est parfait, au revoir, à ce soir. Yes! Oh putain, yes, c'est bon. T'es trop fort, t'es mon champion. On est invité en prime time sur l'émission Marie dit les termes. Ce soir, c'est la campagne qui se joue. Oh la bonne nouvelle. Voilà, oh, bravo. Allez, directeur de capitaine ça. Voilà. Ce soir. Non, on va prendre des programmes à tous les jeunes. Grim, j'ai besoin que tu m'écoutes. Ok. C'est l'émission phare du moment, d'accord. 50% de part du marché, c'est une émission de fou, d'accord. Ils vont rien laisser passer. Donc maintenant, on est obligé de te faire un vrai média training. Tu m'entends? Ça marche, let's go, entraînement. Okay, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses des chasseurs? Ils sont vieux et racistes. Je note. Bon, on va reprendre depuis le début. Ok, assis-toi. Note pas. Ok, on va se relever. Non. Reprendre depuis le début, c'est une bonne chose, on va reprendre les bases. Après moi, articulation. A. B plus. Et. Donne plus. B. C. Et. Les gars, on n'a pas le temps là, je vous jure, c'est ce soir l'émission. Allez, le programme. Oui, t'as raison. Ok, qu'est-ce que tu comptes faire pour la culture, tiens? C'est bien ça. On passe jeune ciné pour tous les jeunes. Bonne réponse. Très bien, mais on interdit toutes les avant-premières de One Piece et les mangas et. Pourquoi? Haute mesure, on continue les mesures. Ok, tu comptes donner combien pour la santé publique? Voilà. Mais je n'aime pas ça, moi. Mais non, mais pas de ta poche. Ah bah 1000 milliards alors. Ok, 1000 milliards. Ça sert à rien. Je pense pas que tu puisses. Je vais me renseigner, mais je pense pas. Bon, bref, en tout cas, c'est des vrais journalistes d'investigation. Donc là, on est sur un gros dossier. Si t'as des trucs à te reprocher, s'il y a des trucs dans ton passé, il faut que tu nous le dises maintenant. Attends. Ouais. Je te coupe. Tu dis investigation, mais tu parles pour Grim ou pour toute l'équipe? Enfin, j'ai même la. C'est pour Grim. Ok, d'accord. Ok, bon, de toute façon, c'est impossible de trouver. Bon, ils vont essayer de te piéger, dans tous les cas, mais je pense que t'as les épaules pour, t'es prêt à affronter ça, faut juste que t'y ailles, que tu donnes tout, et voilà, c'est tout droit maintenant, mon gars. T'es prêt? On va le faire. On va les bouffer! Est-ce qu'on fait la télé? C'est dégueulasse, c'est des... C'est une expression. Oh, ça marche. Grim, t'es prêt là? Ça va être à toi maintenant, hein? Ouais, je suis prêt. Ouais. Oh non. Okay. Quoi non? Quoi? Le Cameroun, il n'y a pas eu 2-0. On s'en fout de ça là. Faut que tu ailles là. Allez, ouais. Lève-toi, c'est ton moment, champion. Hein, remets-moi ta cravate là. Vas-y. Allez. Et on accueille tout de suite le prochain candidat à la présidentielle, Grim Cujo. Bonsoir, Grim Cujo. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et attendez de voir ce qui vous attend. Donc, il y a pas très longtemps, vous avez été victime d'un entartage lors d'une rencontre avec les habitants de votre ville. Est-ce que vous voulez revenir sur cet incident? Oui, c'est dramatique, une aberration. J'espère qu'il sera vite retrouvé et traduit en justice. Eh bien, justement, une équipe était sur place et nous avons ces images exclusives à vous montrer. Une réaction, peut-être? Bah, c'est fou parce que déjà, vous avez retrouvé mon agresseur et il a l'air vraiment très moche. Donc vous ne reconnaissez personne.
Grim Cujo, avant d'être dans la politique, vous étiez streamer, c'est bien ça? Oui, en effet. Quel genre de streamer étiez-vous? Plutôt sympathique, dans le partage et apprécier les gens, quoi. Eh bien, nous allons regarder un petit extrait. Hop. Je suis arabe. Ah ouais, bah permaban. Allez hop. Pas de ça ici. Non mais là, il n'y a pas le contexte aussi. Là, il n'y a pas le contexte, là. C'est ça aussi le problème. D'accord, vous voulez un contexte? C'est pas grave, on en a un à la régie. Est-ce que vous pouvez nous mettre les 10 secondes qui précèdent, s'il vous plaît? Ice cream so good. Ice cream so good. Thank for subscribe. Non mais là... là, ça marche pas. Thank for subscribe. Ça bug, ça bug, ça bug. Non mais vous êtes forte, vous voulez pas être ma première ministre? Je vois que vous êtes dans l'investigation. Non, merci, ça ira. Justement, en parlant de ça, est-ce que vous avez choisi votre gouvernement, Grim Cujo? Bien, comme vous voulez pas, oui, je pense avoir trouvé. Ben sera mon premier ministre. Quoi? Qui? Ça... Ça comment ça, Ben? Quoi? Comment ça, Ben? Sécurité! J'ai mis tête dans la gueule! C'est toi? C'est toi? C'est toi, Max? J'ai mis tête dans la gueule, ça me va! Viens ici! C'est moi qui ai mis la tête! Oh, vas-y, termine pas de ton connard! Le parti en masterclass, fraîchement construit par le streamer Grim Cujo, est déjà au cœur de la polémique après un scandale qui a été provoqué par son directeur de cabinet en direct sur le plateau de Marie dit les termes. L'ensemble des membres ont terminé en garde à vue. Maxime Biaggi écopera donc d'une amende de 750 euros pour son agression commise à l'encontre de son président lors de la visite citoyenne. Il va aussi écoper d'un contrôle fiscal après avoir découvert qu'il possédait 2 comptes en Suisse et un compte à Malte. L'ancien président du parti, dégoûté forcément de cette situation, aurait déclaré se retirer de la vie politique. Il annonce un nouvel arc sur Twitch, un arc Death Stranding RP en duo avec Théorus, alerte masterclass. Seul le pressenti Premier ministre Ben aurait déjà retrouvé une reconversion en tant que nouvelle voix du Rewind, tandis que Elian est en cavale depuis 24 heures après d'horribles révélations sur un potentiel trafic d'organes. Bref, une triste aventure qui s'achève aussi vite qu'elle aura commencé. C'est bien dommage. Bon, en même temps, je pouvais pas penser qu'il serait assez con pour me prendre au sérieux. Faut que j'enchaîne, moi, j'ai d'autres trucs à décrypter.